Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Et vraie question, comment allez-vous? Et ce soir, on se retrouve peut-être pour le dernier stream de Pokémon Xenoverse. Mais à vrai dire, je n'en ai aucune idée. Tout simplement parce que nous avons obtenu à l'avant-dernier stream le 7e et le 8e badge. Au dernier stream, on a fini l'arc, on va dire, des méchants. Et actuellement, du coup... je ne sais pas ce qui va se passer dans l'histoire du jeu, mais peut-être, je dis bien peut-être que nous allons partir faire la route victoire et la ligue. Mais je ne sais pas ce qui va se passer parce que, au vu des événements de la dernière fois, j'ai pas l'impression qu'on va la faire maintenant. Donc, a priori, voilà, on terminerait la semaine prochaine, je pense. Je ne pense pas que j'aurai le temps de finir ce soir, donc voilà, on verra bien. Mais bon, allez, on est parti! Évidemment, je représente l'équipe. L'équipe qui ne changera pas, a priori. Finalement, je pense que cette équipe ne changera pas, à part si je tombe sur un truc de fou. Mais a priori, on resterait sur Croc-Mou, notre starter, qui là ne paye pas de mine, mais il peut changer de forme. Et il a une forme plutôt bien sympatoche, que je n'ai d'ailleurs aucune idée de comment on l'a... Enfin, je l'ai débloqué, mais je sais pas du tout comment je l'active. Attends, est-ce que... Non. Peut-être qu'elle s'active en plein combat. Je ne sais pas. Bref, nous avons notre starter Croc-Mou. Nous avons Sora, notre Galoppa X. Et moi, je l'aime bien. Derrière, nous avons Kyuseichu, notre évolution d'Evoli de type dragon dans le jeu, qui m'a carry. D'ailleurs, Kyuseichu veut dire sauveur en japonais. Et c'est pas pour rien. Sans lui, j'aurais pas battu le jeu. Déjà, j'aurais arrêté le jeu, parce que je l'aurais rage-quitte. Mais grâce à Jet Sable! Et oui, juste Jet Sam m'a permis de ne pas abandonner ce jeu. Sinon, j'aurais arrêté. Derrière, nous avons ma mère en référence à ma mère et Seymour dans Genshin Impact, évidemment. Mais bon, ça n'a pas plus de sens que ça. Alors, Pokémon dont, à la base, je souhaitais me débarrasser. Mais au final, grâce à malédiction, eh bien, j'ai éclaté... Le gros boss du jeu là qu'on a affronté, le gros boss Pokémon légendaire. Et même tous les combats qui précédaient. Grâce à ma mère, j'ai pu les faire grâce à sa malédiction. Et après, bah derrière, buffage avec machination et tout allait bien. Donc finalement, ma mère, je la garderai a priori parce qu'elle m'a bien carré quand même. Derrière, nous avons Oiseau Malade qui était malade et qui maintenant est carrément un oiseau faucheur. Qui est plutôt pas mal. Ténèbres sol. Voilà, plutôt bien. Et il a vraiment un design cool. Hein. Je trouve que c'est un Pokémon qui est... comment dire? Alors, j'ai pas le mot qui me vient en tête, mais c'est pas cohérent. Je crois que le mot commence par un P. Et c'est un genre cohérent synonyme, on va dire. C'est probable. Cohérent probable. Bon, c'est pas pareil, mais ça commence par un P. Tu vois, ça, c'est un Pokémon qui a... Ah, le potentiel. Potentiel probable qui pourrait probablement être dans Pokémon. Il a un potentiel de vrai Pokémon. Et derrière, nous avons Kizame, notre Sharpedo X, qui est là. C'est vrai que si je dois me débarrasser de quelqu'un, ça serait plutôt de lui. Mais bah, c'est un Pokémon qui a des attaques... bah oui, mais attends, mais surtout qui fait doublon avec ma mère. Ça me fait deux types spectre. Et lui, la seule chose qu'il m'apporte, c'est le type O dans l'équipe. Donc à la limite, si on trouve un meilleur type O, on verra bien, mais Kizame, j'avais eu un KO, je crois, sur le combat où je l'avais capturé, vu qu'à l'époque, j'étais en Nuzlocke. Eh bien, écoutez, sur ce, on est parti. Normalement, on a... Oh oui, c'est vrai qu'on a sauvé notre papa la dernière fois. Papa! Luna, viens par ici. Ah oui, mais du coup, notre maman aussi. Donc notre maman, c'est Green, j'imagine. Vu que notre papa, c'est Silver. Ça fait longtemps depuis toute cette histoire, hein? Ah oui, on est un mois ou 10 mois après, je sais plus. Là, on est un certain temps après les événements de la dernière fois. C'est ma faute si nous avions pris autant de risques. Chérie, pas encore. Te sentir coupable ne va rien changer. Nous savons parfaitement que tes intentions étaient loin d'être mauvaises. Nous t'avons déjà pardonné, tu sais. Oh, Clover. Mais du coup, elle ne s'appelle pas Clover. Ah mais oui, Green, Clover. Après, je sais pas selon les versions, je crois que ça s'appelle Leaf.
Green, parce que t'as Red et Blue. Mais t'as la troisième, mais je sais plus c'est quoi son nom, si c'est Green ou si c'est Leaf. Bref. Ah, c'est vrai, Luna, ils viennent de t'envoyer cette lettre. Je ne sais pas ce qui est écrit, mais étant donné l'expéditeur, je suppose que c'est quelque chose d'important. Tiens, prends-la. Luna obtient la lettre d'invitation. Mais de quoi s'agit-il, papa? Putain, mais on en parle quand même. C'est le deuxième fangame que je fais où je dois retrouver mon papa. Et j'ai retrouvé mon papa. Qu'est-ce que tu attends, Lila? D'accord. Ah. Vous qui lisez cette lettre avez été nommé l'élu légitime dont le devoir sera de maintenir intact l'équilibre entre ce monde et l'autre. De là-haut, nous est venu le devoir de tester vos compétences une dernière fois. De dire une fois pour toutes si vous êtes digne d'affronter l'ultime épreuve de la Terre. Vous êtes donc officiellement invité à nous rejoindre sur les plus hauts sommets du mont Zodiac. Une terre immaculée soumise à rien d'autre que le pouvoir illimité du sacré Luxflon. Nous attendrons patiemment votre arrivée, les quatre cardinaux. Ah putain, c'est vrai! Je crois qu'il n'y a pas de ligue dans le jeu. Alors, il y a probablement un champion de ligue, mais je sais pas qui. Mais le conseil 4, je crois que c'est les 4 cardinaux. Bon, on verra bien. Donc on va affronter un Evoli dragon. Ah bah, probablement même... Il y aura très probablement un type dragon. Bah, il me faudra, je pense, le Sharpedo. Wow, ça, c'est vraiment une invitation avec du style. Les 4 cardinaux eux-mêmes requièrent ta présence. C'est incroyable, Luna. Oui, papa! Qu'est-ce qu'il y a, 3 petits pas? Quoi, tu ne sais pas comment atteindre le mont Zodiac? Si ma mémoire est bonne, tu devrais pouvoir t'y rendre en traversant le Channel 11 au sud de Vega. Le voyage va être long, alors rassure-toi d'avoir tout ce dont tu as besoin avant de t'aventurer sur la route. En parlant de ça, je vais te donner ça, mon enfant. Allez, prends-la. Une Master Ball! Mais j'en ai déjà une! Et oui, parce que tout début du jeu, on nous a donné une Master Ball au cas où qu'on voulait s'amuser à essayer de choper Shiny, notre starter. Et du coup, on a eu une Master Ball dans le cas où on tombe sur ce Shiny. Mais du coup, ça veut dire que depuis le début, je me travaille déjà avec une Master Ball. C'est une Master Ball, la Pokéball ultime, qui attraperait n'importe quel Pokémon sans faute. Je suis sûr que tu trouveras un adversaire de valeur sur ton chemin que tu ne pourras attraper qu'avec ça. Luxflon, à tout hasard, papa! Et tout de même, attention, si tu la lances sur des Pokémon provenant du Xenoverse, tu gaspilleras l'incroyable potentiel de cet appareil. Alors, s'il te plaît, choisis soigneusement ta cible avant d'utiliser la Master Ball. 3 petits points. Allez, va les capturer, Luna. Va les capturer, qui ça? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le monde Xenoverse. Ouais, mais du coup, j'ai regardé un petit peu les Pokémon du Xenoverse. Il n'y en a aucun qui m'intéresse. Ah bah, le voilà, le fameux starter qu'on peut farmer en boucle pour essayer de l'avoir shiny. Et là, dedans, Master Ball, paf! Alors, je vais regarder comment on fait pour changer de forme, du coup, le Trishoot. Trishoot, Astral... Attends, c'est Astro en anglais? Astre. Bon, Astre. Alors, comment? Astral. Comment je fais pour avoir sa version Astral? Alors, when completing the game story, Trishoot will be transformed into this form. Trishoot will transform as soon it will send into battle. Ah, c'est ça. Et du coup, il n'a pas besoin d'objet pour avoir cette forme. Du coup, c'est ça qui le rend extrêmement fort, c'est qu'avant, pour changer sa forme, fallait des objets. Et maintenant, pour avoir sa forme la plus puissante, tu n'as pas besoin d'objets. Donc, ça veut dire que je peux ajouter un objet si je veux. Et je crois que je l'en ai déjà donné, d'ailleurs. Je lui ai donné quoi? Oui, je lui ai donné des restes. Il a lance-flamme, bout de feu, Starburst, qui est son équivalent, son attaque signature, qui passe juste à travers les abris. Et qui utilise la stat d'attaque la plus élevée. Ce qui, en soi, ne change rien pour moi. Mais bon. L'intérêt, voilà, c'est que du coup, si je me buff avec Grondement, je pourrais taper des Starbusts immenses. Voilà. Donc bah, du coup, ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est en plein combat. Eh bah écoutez, j'ai comme l'impression que... Là, ce qu'on nous a dit de faire, c'est... Va, la Ligue Pokémon! Et là, j'imagine... Ah oui. J'imagine qu'on va débloquer l'équivalent de surf. Alors, il m'a parlé de route 11, donc j'imagine qu'il faut aller là. Attends, quoi? Attends. Attends, il m'a parlé du Chenal 11, non? Il m'a parlé de Vega City aussi. Ah, Vega City, c'est là?
Attends, quoi? Faut que j'aille là? Mais c'est pas ça, la Ligue? Attends, mais ça sonne clairement comme Route Victoire Ligue. Après, pareil, il y a d'autres endroits où je suis jamais allé. Cette ville-là, j'y suis jamais allé. Là, j'y suis jamais allé. Donc bon. Bah, ouais, il me semble qu'il m'a dit... Ouais, il m'a dit Chenal 11. Donc là, vu qu'il y a la route 11, le Chenal 11, il est forcément en bas. Eh bah, écoutez, c'est parti. Je pense pas que ce sera le dernier stream, mais... On va faire en sorte que ça le soit. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la plage où je pouvais pas y aller. Ah, mais je fais comment? Mais j'ai pas surf. Papa, j'ai pas surf, je fais comment? Bonjour. Ah. Bonjour. Ah, c'est juste, il marche pas lui. Mais attends, il m'a dit de faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Oh et bonsoir Animal, comment ça va? Ça va très bien Wiro, merci. Mais la vraie question... Oula, attends. C'est comment toi ça va, bien évidemment. Oh, je sais pas ce qu'il faut faire, moi. CS, Surf, Pokémon, Xenoverse. How to get Surf. Alors, go to the beach south of the Seventh Gym. C'est où la Seventh Gym? C'est quoi la Seventh Gym? J'en ai aucun souvenir. C'est l'arène feu. Ah bah c'est ici. Et il faut que j'aille. Go to the beach south et tu vas trouver une femme avec un loclass. Bon. Ah mais c'est vrai qu'il y a... La ville elle est grande. Bonjour, tu es une femme avec un loclass? Bonjour, vous êtes une femme avec un loclass? Bonjour, vous êtes une femme avec un loclass? Non. La vraie... Attends, quoi? Mais sa vraie réponse, c'est la princesse. Bon, alors, est-ce qu'il faut aller là? Bonjour, est-ce que vous êtes une femme? Non. Ah! Putain, j'ai vu Mass Ball, j'ai cru qu'elle m'avait donné une Master Ball, mais vraiment. Mais attends, mais à quel moment j'ai sauvé une femme avec un loclass? Ah! Ma chère Lacla. Ah oui, une dîne, ça me dit quelque chose. Une dînée, je disais. Non, je me souvenais pas l'avoir... Enfin, je sais pas si c'était ici que je l'avais sauvé, mais bon. Putain, j'ai lu Master Ball aussi. Oh, ma chère Lacla, tu es sain et sauve, j'étais tellement inquiète pour toi. Lacla, papa. Qui est-il, jeune homme? Je suis pas un homme, bordel. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Allô, papa. La classe, ne me dis pas que c'est elle, la dresseuse, qui t'a sauvé. Lolo, papa. La classe est encore jeune et pleine de curiosité, mais vu son âge, il est difficile de la surveiller. Enfin, j'ai eu peur qu'elle soit tombée entre les crocs d'un cher pédome, et grâce à toi, elle va bien. Une âme aussi généreuse ne peut manquer d'être récompensée, prends ça. Et Luna obtient Ulysseum H. Incroyable. Incroyable, j'ai surf! Wave after wave. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla. Bla bli bla bla bla. Loué d'un bleu profond. Oh, et on surfe sur le loclass. C'est bien, moi j'aime bien. Une pierrot. Alors j'imagine que... Oui, ici ça m'a l'air d'être fermé. Bon, je pense qu'on regardera, comme d'habitude, le premier Pokémon sur lequel je vais tomber. Mais derrière, en vrai, de vrai, ça ne m'intéresse pas. Je pense... Vraiment, j'ai pas besoin d'un typo, j'ai déjà Sharpedo. À part... Ah, mais il y a des trucs ici, à gauche. Sauf si je tombe sur un truc de malade. D'équipant. Alors, j'ai peut-être une idée. Oh! Croque-mou! Alors, regardons ses stats. Oh, ouf! C'est pas mal. Oh putain, c'est vrai qu'il a adaptabilité. En vrai, il y a un Pokémon que je viens de capturer si on tombe dessus. Ah, mais si on tombe que sur des Pékipans. Pékipans, après, j'ai pas de Pokémon vol, je crois, dans mon équipe. Mais bon. J'ai pas trop d'intérêt, du coup, de utiliser un max repousse. Alors, j'ai déjà utilisé tous mes repousses. Alors, il y a quoi ici? Mais j'y ai pas accès! Ah bon? Et comment j'y vais, moi?
Ah mais je peux pas. Ah oui, donc en fait, faut vraiment que j'aille à droite. Mais... Oh, tu fous ma gueule. Spwell. My name is Locklass. Eh bien, on va se... Putain. Mais pourquoi ils ont mis des plantes ici? Saleté de plantes. Les plantes ne servent qu'à être jolies, elles n'ont aucune autre utilité. Bon alors. Bon, comme d'hab, je vais évidemment esquiver tous les dresseurs que je peux esquiver. Alors, est-ce que c'est ici? Mais je dois aller où? Mais je dois aller où, en fait? Bah oui. Bah oui, c'est en bas. Mais comment je vais en bas? Comment je vais en bas? Attends, si c'est pas là. Attends, là, faut que je longe par le bas. À gauche. Mais... ces écolos, ça. Encore ces écolos! Moi, je veux de l'urbanisation, là. C'est très bien. À la limite, l'herbe, c'est bien, parce que si moi, je fais des trucs en... Si je fais des accros en parcours, je me dis que l'herbe, ça amortit mieux que du béton. Donc voilà, à la limite, je me dis que ça peut être bien pour ça. Mais par contre, je dois aller où? Parce que là, je peux pas aller à gauche, je crois. Ah. Bon, attends, tant pis, on va éviter de prendre des repousses. Bonjour! Qui t'allait voir, m'a demandé un petit service, j'ai trouvé cet œuf. Ah. Je vais t'en occuper. Allez. Attends, elle me donne un œuf, moi je mets un œuf. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Ouais, vas-y, je vais me... Ah ouais, mais elle va me donner un œuf de type feu à tous les coups. Ouais, vas-y, on va essayer de le choper cet œuf. Bah, en attendant, je vais me débarrasser de Sharpedo, hein, parce que c'est pas... Voilà. Bon, je l'aime bien, Sharpedo, mais... En vrai de vrai, ça fait doublon avec ma mère. Non, mais j'espérais qu'elle allait nous donner le chemin. Je vais regarder ce qu'il file drong et qu'est-ce qu'il a fait, hein, pour savoir où je dois aller. Là. Je veux m'en occuper, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et là, c'est un œuf de légendaire. Bah, du coup, Pokémon de zone, en principe. Bah du coup, je vais regarder Fildrong. Attends, Chenal 11. Chenal 11, Pokémon Xenoverse. Route 11. Alors, comment qu'on y va? Je sais pas. Eh bien, je sais pas. Ah mais putain, en type haut, je pourrais juste prendre un Léviator. Remarque. Après, le problème, c'est qu'il faudrait que je l'XP. Comment accéder à la route 11? J'ai trouvé sur cette vidéo. Fan game. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Test. Test 1, 2, 3. Mmh. C'est sûr, moi je sais pas où je dois aller. Bon, oh, Fildrong. On va regarder le let's play de Fildrong. Lui au moins je sais qu'il est de... Il est de confiance. Alors faut que je lance quel stream? Allez, on va lancer ça. Conclusion. Donc là, là, il est là où je suis. Ah, Chenal 11. Alors, il est passé par où? Mais vous vous foutez de ma gueule, mais... Attends. Mais c'est une blague. Il y a 17 secondes de latence. Ouf. Ça fait beaucoup. Attends, là, en fait, fallait juste que j'aille à gauche. Mais attends, mais j'ai... Oh, putain. Oh, putain, il est là, le chemin, je l'avais pourvu.
Eh, faut le voir, hein, quand même. Bon, je vais esquiver tous les dresseurs. Oh, crachin. Attends, c'est pas son talent caché, normalement. Ah non, c'est cuvette son talent caché. C'est nul. Bon bah c'est parti. Oui putain, j'avais pas vu que je pouvais aller en bas. Eh bien on est parti sur le Thunal 11. Bon, je vais esquiver tous les dresseurs. Hein. Surtout les noirs, pardon. Attends, c'est quoi? Alors monsieur, ça marche pas comme ça. Peut-être qu'il fait de l'overboard. Encore un noir! Mais pourquoi? Quoi ça? Bonjour. Oh bah, spécial, le type O pourrait y plonger. Peut-être le starter de type O. Attends ça. Je ne veux pas affronter de dresseur. On me dit pas que c'est un labyrinthe. À deux doigts de regarder sur internet le chenal 11 pour voir le chemin. Oh! Vous trouvez Estocorn? Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Donc pour moi, c'est pas puissant Estocorn. Logiquement, je dois aller à droite. Sur la carte, fallait aller à droite. Oh, c'est la zone X? Pokémon de zone? Vas-y, on va regarder ce que je peux avoir. L'effet du repousse se dissipe. Oh putain, je tombe instant sur un poké. Un petit pan, mais dis donc. Mais dis donc. C'est bien le changement de forme, il est rapide. Moi, je veux voir ce qu'on peut avoir. Logiquement, je peux avoir Cocombat ici, on est à la plage. Très passable. Ouais, j'ai déjà un type sol et j'ai déjà un type spectre. J'ai même deux types spectres, donc... Moi, je veux voir les Pokémon X. À part Cocombat. Mais... Vous allez arrêter? Ah ouais, non, mais niveau 37, hein, je viens de me dire. Putain, si je devais XP un Pokémon que je capture ici. À la route victoire, peut-être que ça ira, mais... Bon, ça m'emmerde, tant pis. tant pis. Allez, j'en fais un dernier. Eh ben, tant pis. C'est pas grave. Fuite. L'eau est d'un bleu profond. Mais non. Bon bah on remet le repousse. Hein. Dommage. Moi j'aurais bien aimé avoir quelque chose. Alors ouais, faut que je me méfie de lui là. Donc on va à droite. Il y a clairement quelque chose ici. Pas du tout. Attends, c'est premier degré, il n'y a rien. Tiens d'ailleurs je me demande où il doit y avoir des légendaires dans le jeu quand même. Oula. Je pense que je suis à un stade où je devrais peut-être en croiser. Genre sur la route victoire ou des trucs comme ça. C'est très grand. Ah ça y est. Ça y est, I find the way. Bon, flemme de faire le tour. Bonjour. Axel. Mais elle est... Attends, comment ça la route victoire? La route victoire elle est là? Mais oui! Mais... Et c'est ça la ligue alors? Mais c'est quoi ça alors? Mais j'étais sûr que c'était la ligue et la route victoire... Waking Fall. Putain, j'avais pas vu! Ok. Bonjour! Si tu as réussi à arriver ici par tes propres moyens, ça signifie que tu es un dresseur respectable. J'ai fait zéro combat. Désormais, un seul chemin t'attend, la route victoire, le chemin qui mène au plus haut aux étoiles du ciel. D'accord. Ah mais du coup, moi j'ai mon œuf là, moi je fais quoi de lui? Qu'est-ce qui va en sortir? Ça va mettre du temps. Est-ce que je ne ferai pas des pas finalement pour le débloquer cet œuf? Tu fais super bien les voix. Eh ben merci. Après là, c'est juste les voix des grands-pères. Il est sur quoi ce Pokémon? C'est un fangame. Donc, il est sur PC. Et je sais pas s'il est légal, ce jeu, d'ailleurs.
Mais bon, j'imagine que oui, vu que ça fait longtemps qu'il existe. Non, mais je crois que les fangames, il n'y a pas trop de problèmes, tu vois. Tant qu'il n'y a pas de d'aspect financier derrière, je crois que les fangames sont en soi autorisés. Après, entre guillemets, au même... Non, pas au même titre que les mods, parce que les mods, c'est vraiment tu modifies un jeu. Tu modifies la propriété intellectuelle. Même si tu fais... voilà, juste tu reprends le moteur graphique de Mario Galaxy et tu fais des trucs. Bah non, en principe, c'est pas censé être autorisé. Mais je... bonne question en vrai, est-ce que les fangames sont autorisés? Mais attends, mais... Bah non, pas... Bah je pense pas parce que... Ou juste Nintendo, il casse ses couilles. Parce que Pokémon Uranium est un fangame très très connu. Et il s'est fait down par Nintendo. Mais là, Pokémon Xenoverse, Pokémon Empyrean... ils ont pas eu de soucis comme ça. Donc bon. Alors, on est comment ici? Il bouge de temps en temps, il devra bientôt éclore. Ah. Ouais, bon, par contre, je sais pas si je vais m'amuser à l'XP. Hein. En vrai, avec Love Chance, ça devrait aller assez vite. Ça fait de la pub pour Pokémon, donc en soi. Ah oui, mais tu sais, c'est Nintendo. Hein. Nintendo, c'est les plus gros rats. Dans le monde du jeu vidéo, Nintendo, ce sont les plus gros rats. De loin. Et ils font même pas de qualité. Quand tu compares à... aujourd'hui, quoi, ils ne font pas de bonne qualité. À part quand ils font du bon travail, enfin, qu'ils laissent le temps à leur dev. Mais Pokémon est un cas tellement particulier. Il n'y a que les jeux Pokémon qui sont vraiment, vraiment pas beaux sur Switch. Ou vraiment en retard. Quand tu regardes la série principale, même Détective Pikachu 2, le jeu est d'une qualité atroce. Hein. Mais bon, à côté, il y a des exceptions. Hein. Regarde Pokémon New Snap. New Pokémon Snap, pardon. À chaque fois, je dis Pokémon New Snap. Ce jeu-là, il est trop, trop bien. Les animations, elles sont géniales. Le concept du jeu, bon, ok, c'est... il est repris d'un jeu sur 64. Mais le jeu est génial. Il a une bête de rejouabilité. Bon, évidemment, il est extrêmement répétitif, mais c'est le principe du jeu quand même. Mais c'était cool. New Pokémon Snap, pour moi, c'est le meilleur jeu Pokémon de la Switch. Hein. Après, si on parle de série principale, évidemment, voilà quoi. Si on parle de Pokémon de la série principale sur Switch, on a Pokémon Let's Go, Pokémon Épée Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, Pokémon Écarlate et Violet, Pokémon Légende Arceus. On a quand même beaucoup de jeux. On a deux remakes et on a deux générations. Et on a, moi, pour moi, le meilleur jeu Pokémon de la Switch. De la série principale, mais quand même un peu un cas particulier, bah c'est Pokémon Légende Arceus. Alors le œuf. Et là, c'est un deuxième Evoli. Oh, un Flameaou. Bah, c'est con, j'ai déjà un type ténèbres, j'ai déjà un type feu. Donc c'est ciao, Flameaou. Allez, hop. Tout ça pour ça. Puis... Oui, c'est vrai, remarque, c'est logique qu'elle me donne un type feu. Et bah tant pis. Et bah, j'ai comme l'impression que c'est parti pour la route victoire. Bon bah, comme d'hab, on va essayer d'esquiver un max de dresser. Tu es qui, toi? Oula. Ah, c'est pour faire des échanges. Nous avons notre premier cobaye. J'imagine que c'est pour faire des échanges. Gna gna. Bon alors ça sert à quoi ça? Le couloir dimensionnel. Tu te trouveras dans un lieu bien différent, tu pourras interagir avec ton alter ego. Ah bon? Mais pourquoi faire? Mais ça sert à quoi? De franchir le couloir? Bah, à la limite pour tester, mais... Une sauvegarde en cours! Je peux maintenant entrer.
Ouais, on va voir pour voir. Starting connection. Ah, mais c'est pour faire des combats en ligne, ça. Je pense. Rencontrer ton alter ego. Là, ça a l'air d'être clairement un truc pour faire des combats ou des échanges. Putain, mais ce jeu est tellement complet, en vrai. Mon ID. Voilà. Mon ID. 62474. C'est long. Mais après, ce n'est qu'un détail. Finalement, la longueur, il ne s'agit que de chiffres. Le temps. Bon, comment je pars? J'espère qu'ils ont mis un truc de time-out, hein, parce que si je dois attendre... Bon, alors, est-ce que j'ai des rôles waifu à faire? Ah, Muda et Chan, part 3. J'ai aucune idée de quoi à quoi elle correspond. Ouais, mais d'ailleurs, dans les tutos, là, j'ai avancé un petit peu. Long la co, là. Ouais, ouais, c'est ce que je vois. Search claim timer. Oula. Mais ça marche pas. Ah, faut que je search flag. Ah. Dégueulasse. Ah. Ça charge encore là? Putain, mais... mais c'est fou. Alors, tuto, qu'est-ce que je peux faire encore? Use MM plus I plus flag. Attends, MMI. MMIS. Ça fait go. Ah, ça me montre toutes mes images de ma waifu list. Putain, je savais pas. Incroyable. Bon, j'ai comme l'impression que je vais relancer le jeu, hein. Ouais, bon, tant pis. Hein. Tempi, tempi. Pouais, pouais, pouais. Change the image. Change IMG Erza Scarlett 1. Ta 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 ta. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Bon, tant pis. Une autre fois. Alors. Start. Imagine là, le jeu est soft lock. Oh, ça serait. Ah merde. Oh putain, c'est vrai qu'il faut que je dise non ici. Et là, il y a l'anti-cheat qui est en train de vérifier que je ne cheat pas. Mais ce qui est rigolo, c'est que justement, le fait de mon patch FR est considéré comme un cheat. Voilà, faut que je spam X. Voilà. Ok, et on ne retouche plus jamais à ça. Bon alors, maintenant. Bienvenue à la boutique. Ouais, bon. Et on va en prendre 15. Ça, on va en prendre 15, enfin 14 pour être à 15. Les rappels, allez, au cas où. Et après, le reste, en vrai, non. Je pense que les max repousses, ça devrait aller. Eh ben, c'est parti, mon kiki. Route victoire. Salut. Okay. Ah. Oh, salut, tu vas sur mon zodiac. Si c'est le cas, pourrais-tu s'il te plaît m'indiquer le choix? J'ai peur de m'être perdu. D'accord. Je te remercie vraiment, sans toi, j'aurais dansé moi comme une dératée. Je ne serais jamais pardonné une telle honte.
Tu vois, je viens juste de descendre des froides montagnes du Nord pour accomplir une mission importante ici. La traversée de Borealistan jusqu'ici a été plus longue et plus ardue que je ne l'espérais. Bon, bref, tu ne sais pas comment atteindre Borealistown. Ce n'est pas si facile d'y accéder en fait. Eh bien, au-delà du mont Starburst, c'est un pays de merveilles hivernales, j'y habite. Si jamais tu passes par là, sache que tu es le bienvenu après l'aide que tu m'as apportée. Ah bon? Je l'ai aidé. Ok. Bon, c'est une conseil 4, elle, j'imagine. C'est une cardinale. Bon, bah, on va voir ce que nous réserve cette zone. Oh, cette petite mangrove de merde. Putain, à chaque fois que je la vois, j'ai envie de la baffer. Eh, level 41, hein. Je me dis que même si je tombais sur un Pokémon intéressant, il serait tellement bas level. Non, foutez de ma gueule, me dis pas qu'il y a que ce truc-là. En vrai, je pense que je vais pas activer mon repousse maintenant pour voir un petit peu les Pokémon qu'on peut affronter. Bon, on va affronter que des types normales, c'est ça? C'est ça que tu veux me dire? Ouais, mais je pense que je suis bien en XP, hein. J'ai trouvé de la poudre claire. Je n'ai aucune idée de ce à quoi... Putain! De ce à quoi ça sert. Alors... Tac. Ah, t'es Kung Fu! Ah, t'es pas possible. Ah, piqué moche. L'un de mes tout premiers Pokémon de zone, c'était la sous-évolution de ce truc-là. Lance Flamme! Oh non, mais mec, j'ai un... J'allais dire, j'ai un quart d'heure d'avance en XP. Non, mais j'ai 15 levels d'avance. Ah ouais, mais non, il faut vraiment que je ne fasse aucun combat. Hein. Mais non, mais je vais trop rouler sur les cardinaux, là, sinon. Non, mais regarde, tu sais, tu es level 68. Bon, par contre, si les Pokémon sauvages ils me rendent fou et que c'est tout le temps les mêmes. Oh putain, des Céliandes! Oh oui, clairement. Alors là, je dis oui. Parce que à la base. Ah ouais, mais quoique ça me fait encore un type spectre. Parce que à la base, j'avais un des Céliandes dans mon équipe. Et voilà. Enfin, j'avais un Brocélobe. Mais je sais plus s'il est mort ou. Ah oui, je crois que c'est parce qu'il pouvait pas évoluer. Est-ce qu'il évolue par échange? Ou par objet, je sais plus comment il évolue normalement. Bon bah c'est parti hein. On va esquiver tous les dresseurs évidemment, dès qu'on peut. Eh bien RIP! Croque mou. Bonjour, je suis Croque mou. Bah. Non mais level 53. J'espère que la ligue elle est au moins level 65. Hein. Entre 60 et 65 minimum. Parce que là l'XP. Là l'XP ça va pas être possible. Hein. Il est bien Croque mou là. Je l'aime bien Croque mou. Tu mets pas la. Oh. Les deux formes de Croque-Mou, je les aimais pas trop. La forme terrestre, ouais. Mais l'autre, non. La bleue, là, je la trouvais dégueulasse. Attends, là, je pouvais aller à gauche, non? Ah oui. Oh non! Non! Il y a plein de chemins possibles. Oh. Mais quel enfer, je déteste les labyrinthes. Ouais, lui on est obligé de l'affronter. Elle, on n'est pas obligé. Oh, une masse ball. Pa-pa-da. Ah putain. Ah, ça me rend fou, je sens. Bon, je vais regarder sur internet c'est quoi la... le chemin. Victory Road, Pokémon Xenoverse. Parce que le problème, c'est que je vais faire beaucoup trop de combats et j'ai pas envie de faire trop de combats.
Alors, est-ce que... Ah putain, je peux voir tous les Pokémon de toutes les zones. À la limite, c'est l'occasion de voir ce qu'on peut avoir de cool. Ouais, il n'y a rien là de particulier. Hein. Mais il y a trop de Pokémon. Il y a 16 zones. 16 zones. Ça fait environ énormément. Oh là 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 là. Ah, et on peut tomber sur le Pikachu. Le Pikachu X. Bah j'imagine des dresseurs, il y en a 20 000 aussi. Et est-ce que le level des dresseurs, il monte un peu? Ah non, il reste au level 55 au max. Bon, évidemment, à la fin, on affrontera notre, notre rival. The Golem. Ah, il y a un truc avec un... Avec des golems, a priori. Victory Road. Does anyone have to get through? The game is complete. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le tuto? Tu peux regarder My Italian Playthrough. My Italian Playthrough, non mais... Ah! Mais pourquoi il est devant un Celebi, le mec, normal. Donc, bref. Et Celebi, il est dans tous les fangames, c'est fou. Victory Road. How to get through victory. Still stuck in the first cave. Cannot find the exit. Ah mais attends. Ah ça y est, Victory Road. Alors. Ah, je suis sur le bon chemin là. Ah non, je suis pas sur le bon chemin. Attends, je me permets de regarder la vidéo pour voir à peu près où faut aller. Le mec là, il récupère juste les objets en fait, mais je sais pas ce qu'il fait. Oh là là, ça a l'air d'être un labyrinthe, mais vraiment, vraiment long. Ah, en vrai, en 5... Ah ouais, non, mais il le fait en 5 minutes, mais il fait pas les combats, quoi. Bon, ok. Déjà, je me débarrasse de ce combat. Et attends, parce que je vois que dans son gameplay, il est là où je suis actuellement. Ah mais ça fait chier parce que je sais pas si je dois le suivre. Attends, là il est de retour dans la cave. Ah mais là c'est une autre phase de la cave. Alors comment il va là? Ok, et après il va en bas. Donc là faut que je prenne l'autre sortie de la cave. Bon Stylix, après Stylix c'est un monstre physique, je pense que je devrais le battre. Après il a fermeté peut-être, non? Et mon attaque feu est super efficace. Ah, il est type Sol Stylix. C'est quoi ça? Ouh, je singe. Starburst! Paf. Rayon magique! Ah, moi, je suis dégoûté. Moi, je voulais ce singe à la base. Mais j'ai eu la version femelle. Bon, il y a quoi ici? Ça m'a tout l'air d'être l'endroit pour une énigme. Ah putain, c'est juste pour un repère de Poké, tu tout de moi. Effet du repousse d'ici. Ouais, bon. Vas-y, on va prendre. Oh, un max repousse! Avec ton max repousse! Avec ton max repousse. Oh merde! Putain! J'avais oublié! Mais oui, mais moi j'ai pas fait les dresseurs, je peux pas me déplacer comme je veux. Oh, c'est ce Swatch. C'est le Yeti de glace. Il est rigolo ce Pokémon. Putain, par contre, j'ai tellement peu de PP. Regarde sur Discord. Eh ben écoute. Actuellement, je regarde Discord. Ah. Oui, Wiro. Hey, t'es un streamer sur Twitch.
où il interagit avec sa communauté et partage ses sessions de jeu. Il se décrit comme le leader de l'armée des gentils, et fait souvent référence à des termes humoristiques comme Arbro en rapport avec Minecraft. Son style est convivial et ludique, ce qui attire de nombreux fans Twitch. Si tu veux voir ses streams ou en savoir plus sur lui, tu peux visiter son profil. Quoi ? Attends, GPT ? Ou c'est un autre Wiro peut-être ? Tu lui as dit quoi ? Partage-moi... Enfin, dis-moi qui est Wiro sur Twitch ? Wiro le gentil sur Twitch ? Parce que normalement, GPT, il est pas censé pouvoir faire des recherches sur l'internet actuel. Moi, il y a un monde où il peut me trouver. Parce que... Je crois que GPT, il est à jour jusqu'à 2023. Et moi, bah, j'ai démarré Twitch pendant le Covid, donc en 2020. Putain, Jean et Crémeux, il a tanké. Oh. Ah, c'est vrai que j'ai les restes. J'ai demandé s'il connaissait Wiro, il m'a dit ça. Ok. Bon, c'est chiant, là, la para. Bon, je vais me déparalyser. J'ai pas une baie de départ là. Non, j'ai pas la basserise. Et ici, est-ce que j'ai de quoi? Bon, au pire, j'ai le total swing. Oula, mais j'ai plus de vie, moi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit sur moi? Ival TV est un créateur de contenu actif sur plusieurs plateformes, notamment Twitch et YouTube. Sur Twitch, il partage ses sessions de stream en direct où il interagit avec sa communauté tout en jouant à différents jeux. Sa chaîne Twitch également, appelée Lival, propose des vidéos et des streams contribuant à son contenu diversifié sur les jeux de divertissement. Tu peux explorer ses contenus, voici les liens vers ses profils. Ouais, mais du coup, ça me dit rien. Ça te dit rien. Il sait... Alors, je sais pas ce que tu lui as dit, mais a priori, il a l'air de savoir que je suis sur YouTube et pas que sur Twitch. Mais à côté, il a donné aucune info, quoi. Peut-être qu'il peut pas regarder. Bah du coup, je suis obligé de faire ce combat-là. Ah non. Attends, j'essaye de voir. Alors, où est-ce qu'il va, là, dans son gameplay, le mec? En fait, ce qui me fait chier, c'est que vraiment, je sais pas si je dois suivre le chemin qu'il me donne. Ok, si. Là, c'est le bon chemin. Ça y est, j'ai le bon chemin, enfin! Donc là, ce qu'il faut que je fasse... Là, faut que j'aille en haut, en fait. Donc elle, j'ai pas besoin d'affronter. Bon, lui, je suis obligé. Malheureusement. Et bonsoir Tesgat, j'ai pas reçu la notif. Mais et bienvenue sur ce nouveau streaming. Comment vas-tu? Vraie question actuellement. Que je te pose évidemment. Ah, il gagne des PV avec le changement de forme, mais c'est hyper fort. Ah, ça met bien de one shot. Et il est trop puissant. Bon, ça va que maintenant je suis extrêmement puissant, que je n'ai plus peur du type électrique. Eh bah écoute, ça va nickel, merci. Bah je suis content parce qu'a priori, bah là vu que je fais la route victoire, normalement c'est confirmé. On devrait faire la ligue ce soir également. Et entre nous, je n'arrête pas le stream, je pense, tant que je n'ai pas fini la ligue. Je pense, parce que là, autant finir le jeu, quoi. Je suis en train de mourir sur Pokémon Noir 2. Randomizer, n'a que des légendaires. Oh, putain. Moi, j'aimerais bien rejouer à Noir et Blanc. Copilot, c'est de la merde. Mais oui, tu demandes à Copilot, mais Copilot, c'est pour coder. Bon, elle, malheureusement, elle n'était pas esquivable. Tocac, là. Il connaît ni toi, ni moi. Après, GPT, je crois que c'est celui qui est le plus poussé actuellement. Ah oui, mais je le bats pas, lui. Ma mère, vas-y. Je connais pas le type de Tocac là. Ah, c'est un type son. Aïe. J'avais oublié que c'était un type son, ce truc. Il est type dragon, je crois. Parce que c'est un lézard. Vraiment, c'est la seule explication.
Et après, il est type son. Ouf. Ah. Ah. Bah, c'est my bad. Ah non, a priori, c'est un type son pur. Mais pourquoi c'est un tag? Pourquoi il est type son, même? Bon, heureusement, c'est un two-shot. Ma mère qui est puissante, hein, bien évidemment. L'euphorie. Mais non. Vas-y, Kyuseishu. L'un de mes plus puissants Pokémon physique. J'allais dire offensif, mais évidemment qu'il est offensif. L'euphorie. Petit Dracogryph. Ich bin ein Untrakogryph. Ah, c'est l'heure des rôles sur le... Sur le Discord. Allez hop, paf, 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 paf. Oh putain, j'ai eu un bon perso. On verra. Mais bon, je m'en branle un petit peu. Oh! J'ai Blaze the Cat. Ah, j'ai eu un perso que j'aime pas. Oh, vas-y, je veux Blaze the Cat. Allez hop. Trop bien. Mais comment ça se fait que j'ai eu Blaze? Parce qu'elle apparaît dans l'anime Sonic. Normalement, je suis pas censé... Je suis pas censé avoir des persos de jeux vidéo, normalement. Alors, tu voudrais que je te montre comment randomiser Pokémon? Ah, mais t'inquiète, je sais. J'ai déjà fait. Alors juste, quand je l'avais fait sur DS, j'avais randomisé Soul Silver, et le jeu était un petit peu buggé. Et du coup, j'ai pas pu le finir. Genre, les sauvegardes ne marchaient pas à tout hasard. Mais oui, je sais comment randomiser. Après, je pense que... Ouais, bon, elle tourne pas la tête. Il doit y avoir des vidéos de tuto, etc. Après, pareil, pour Citra, enfin, les Pokémon 3DS. Normalement, j'ai le randomizer. Ouais, j'utilise Desmoumé, évidemment. Alors, est-ce que je le one-shot? Ouais, c'est avec un tuto d'un youtubeur que je regardais de l'époque. Mais en vrai, ça serait bien que moi-même, je refasse les tutos. Mais après, il y a un moyen que je me fasse, pas down, mais que je me fasse striker. Parce que la vidéo du mec de l'époque, qui s'appelle Voltalis de souvenirs, je crois que sa vidéo n'existe plus. Ou sa chaîne n'existe plus. Je crois que c'est juste que sa chaîne n'existe plus. Mais ça, je trouve ça chiant que les gens y fassent ça. Qui mettent en privé toutes leurs vidéos en mode ils en ont... Bah je sais pas, ils en ont honte ou ils veulent... Enfin, on va dire, supprimer cette partie-là de leur vie. Le serpent... Égoïse. Faut que tu fasses Shift F1 pour sauvegarder. Mais en fait, je faisais des save states. Et des sauvegardes... Ah oui, merde. Je faisais des save states et des saves in-game au cas où. Mais en fait, même les save states étaient perdus. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'était buggé de fou. Mais c'est dommage parce que ce que j'avais fait avec le randomizer, c'est que j'avais fait en sorte que les dresseurs... Je crois que j'avais mis que les dresseurs avaient des... Enfin, que leur Pokémon était 15% du level plus haut que d'habitude. Donc concrètement, ça veut dire que la ligue, au lieu de l'affronter level 70, tu l'affrontes... Tu l'affrontes level 80, tu vois. Donc, concrètement, c'était... Ça rendait le truc vraiment difficile. Et je l'avais en plus randomisé. Mais il faudrait que je me fasse un randomizer. Mais la prochaine fois que je vais faire... Je pense que le prochain Let's Play Pokémon que je ferai, je le ferai en randomizer sur Pokémon Fusion Infinite, là. J'ai vraiment envie d'aller sur ce truc-là. Il y avait Lopoc qui avait fait une vidéo dessus, évidemment. Où il s'était fait une team de Mona Flemmit. Et même moi, j'ai trop envie de faire un truc comme ça. Bon, je vais utiliser tous mes bouts de feu. De toute façon, je me régène, pardon. Avec mes restes. Spwep, wep. Je peux faire Altaf 4. Il est moche le Miaouss. Ah oui, il est très moche. T'as pas vu son évolution.
Hein, il est pas très très beau. Hein. Ah, yes, elle, je peux l'esquiver. Moi, quand je peux esquiver un dresseur, moi, je suis content. Et quand je suis content, je vomis. Tu peux montrer. Alors, va falloir que je le cherche dans mon Pokédex. Je crois qu'il est là. Yes. Je sais pas si c'est un Pokémon X. Parce que si c'est un Pokémon X, il devrait être en bas. Bon, au pire, je le trouverai vu que c'est un Pokémon que j'ai dans ma team. Enfin, que j'ai déjà. Ah, il est là. C'est pas beau. Hein. Fidèle à sa sous-évolution, finalement. Ah oui, il est dégueulasse. Hein. Mais bon, à l'époque, ça me faisait un petit peu psy. Alors, dans la vidéo, il va où, après? Alors, il va... Il va tout à gauche. Même pas. Il va ni à gauche, ni à droite. Ni en haut. Il va là. Attends. Attends, quel fanart... Fangame, j'imagine, plutôt. Tu veux dire? Regroupe tous les Pokémon en mode toutes les histoires. Ah bah, aucun. T'as les Poké MMO, qui sont littéralement tous les jeux Pokémon. En mode MMO, où tu peux voir bah, tous les joueurs jouer en même temps que toi sur la map. Et t'as accès, je crois, à toutes les générations. Alors, probablement pas les générations de Switch. Voir Soleil et Lune. Je pense que la 7, 8 et 9G, ça y est pas dedans. Mais peut-être que si, je ne sais pas. Mais voilà, Poké MMO. Voilà. Si t'as envie de jouer au Pokémon très facilement, en vrai, t'as cette solution. Hein. En plus, tu peux jouer avec tes potes en même temps, donc c'est cool. Oula. Ah, croque-mou. Attends, je le régène un peu. Le petit haut, là. Mais un jeu avec toutes les histoires, non, il n'y en a pas. Hein. Il ne me semble pas. Hein. J'ai trouvé une bande étreinte. Mais non. Alors après, il faut aller dans l'eau. Bon, je regarde encore une fois le let's playing du mec. Où est-ce qu'il va? Alors en haut, t'as une CT. Pff, aucune idée d'à quoi elle sert. Et après, il continue d'aller à gauche et on a la suite de la grotte. Bon, je vais quand même aller choper la CT. Hein. Oh, pour Ultra Laser! T'es sur la route vers la Ligue. Ouais! Sur la route Victoire. Mais là, en même temps, je regarde à... On va dire, je regarde le guide d'un mec pour vraiment me taper aucun dresseur parce que... Depuis que j'ai arrêté le Nuzlocke, j'ai une avance de dingue en level. Et là, là tu vois, mon Pokémon le plus puissant, c'est mon Evoli Dragon, niveau 69. Et bah là, dis-toi que dans la route victoire, il n'y a aucun dresseur qui a des Pokémon au-dessus du level 55. Il y a juste notre rival qui aura des Pokémon, j'imagine, plus puissants que ça. Mais la Ligue, je risque de lui rouler dessus. Enfin, c'est quasi sûr, même. Après, on verra, ça se trouve, je vais galérer... Parce qu'on a appris qu'il y avait des mégas dans le jeu, je crois. J'ai un doute, mais je crois qu'il y a des mégas. Bon, je me tape cette dresseuse, j'imagine qu'il faut que je l'affronte. Ouais. Alors, je regarde un peu après où faudra que j'aille. Après, faudra aller en bas. On continue d'aller en bas. Après, faudra aller à gauche. Ouais, ok. Lance flamme, craque-mou! Paf. Ah. Non mais là tu vois, je leur fous 14 levels d'avance. Non mais ils auraient peut-être dû faire un truc pour réduire l'XP d'avance que t'as. Genre faire un truc en mode quand t'as du retard en XP tu gagnes plus d'XP. Mais quand t'es en avance t'en gagnes moins. Je crois qu'il y avait ça dans Pokémon Empyrean, du coup j'étais jamais en retard et j'étais jamais trop en avance. Donc bon. J'ai 3100 points de chaîne, j'ai envie de les utiliser. Ah mais je t'ai déjà dit que... que malheureusement, il n'y a pas grand chose pour les utiliser. Mais non mais Wiro.
Wiro, fais-nous rire. Tu as combien de points de chaîne? Ah là là, le pire c'est Silvercrow, il en a encore plus que toi, Wiro. Il en a trop. J'en ai 60k. C'est tout? Putain, mais Silvercrow, je sais plus, il en a des centaines de milliers. Mais il peut rien en faire. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire des points de chaîne? Ah, il n'y a pas un délire en mode, tu sais, tu peux faire des sondages avec des points de chaîne ou des trucs comme ça? Et encore, j'en ai utilisé 50k pour avoir des VIP. Oui, c'est vrai. Starbur. Ah ouais, mais non. Parce que Mimiki, est-ce que son talent, ils l'ont implémenté? Ah putain, ils l'ont implémenté. Ouf. Non mais regarde, mais je n'ai pas perdu de VIP presque. J'en suis à 5 VIP ici. Ça va, ça va. C'est pas beaucoup, 5. C'est que des chiffres après. Tu vois, 50 000, 3 000, points de chaîne, c'est rien. Souvenir, c'est nul ça, non? C'est quoi, c'est que ça baisse de 3 crans les offenses de ton adversaire, je crois. Alors, j'ai vu qu'il fallait aller à gauche, mais à quel point? Alors, le mec... Attends, je vais le mettre en x2, le gameplay du mec. Pour voir où je suis censé aller. Alors là, il va à droite pour prendre un objet. Après, il revient en bas. Après, il revient à droite, il rechoppe un objet. Donc, ça, je m'en fous. Après, il va là. Il rechoppe un objet. Ok, donc là, déjà, j'ai pas besoin de suivre ce qu'il fait. Ça sert à rien. C'est juste pour avoir des objets. Alors. Du coup, il va en bas, mais il peut pas y aller. Donc là, full gauche. Attends, là, il rechoppe un objet. Moi, je veux juste voir où faut aller. Non, il revient en arrière. Ah, ok. Ah non, mais il refait ça pour choper un objet. Ok, et a priori... Ok. Ok, on n'est pas loin d'avoir fini. Je crois qu'il me reste genre 4 combats à faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement, le mec? Donc là, il va à gauche. Putain, je suis perdu. Ok, allez. Donc ici, il va là. Ah ah! Pep, pep. Voilà, donc là, malheureusement, on a 2 combats obligatoires, je crois. Oh, c'est Pijako! Alors, il fait combien de combats? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y en a un quatrième? Non, après, ça a l'air d'être fini. Ok. Eh ben, incroyable. Heureusement qu'il y a un mec qui a fait ça. Donc, ça veut dire on a 3 combats et notre rival. Et après, on sera à la ligue. Attends, je vais regarder ce que tu peux faire en point de chaîne. Ah, merci. En vrai, ouais. Après, je peux utiliser des récompenses moi-même. Ce que j'avais déjà fait, mais bon, malheureusement, je les ai supprimés parce que soit ça faisait trop lag mon ordi, soit c'est des trucs que j'avais plus en place suite à mon reboot de PC. Typiquement, mon moi VTuber, je n'y ai plus accès parce que j'ai reboot mon PC, que je n'ai plus le logiciel et tout pour le faire. Et de toute façon, mon modèle de VTuber, je le trouvais dégueulasse. Mais je l'ai très très peu utilisé finalement. Après, le level waifu, il me faisait trop lag mon PC. Le level waifu, il faisait trop lag mon PC. Et après, c'était le filtre Snapchat. Bah, depuis mon reboot de PC, faut que je remette en place ce Snapchat-là, quoi. Oula, mais j'ai plus de vie, moi. Starburst! Mais oui, il faudrait trouver des trucs à faire. À la limite, on peut se dire point de chaîne égale une pompe à la fin du stream. C'est un truc horrible. Mais après, il y a des gens qui font ça, mais je crois que j'ai vu ça. À la limite, parce qu'à un moment, c'était boire de l'eau. Mais boire de l'eau, bah, c'est rigolo, mais je bois déjà énormément d'eau. Mais en vrai, le coup de la pompe, pourquoi pas? Mais TTS.
Ah oui, putain, c'est vrai. Amélie, est-ce que Twitch, point de chaîne, TTS. Envoyer des messages Twitch avec les TTS. Ah, ça date de 2021. Ouais, bon, c'est sûr que c'est possible. Eh ben, écoute. J'avais déjà regardé, mais je l'ai jamais mis en place. Parce que j'ai oublié. Donc, je me note, en gros, mettre ça en place sur Twitch. Hop. Twitch.chaîne TTS. Voilà. C'est noté. Et je ne parle pas de c'est noté, évidemment, la Todd de la porte millénaire. Putain, on est à 9 viewers, mais bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ce streaming. Mais pourquoi j'ai autant de monde sur Pokémon Xenoverse? Parce que je me suis mis en catégorie Pokémon Scarlet. Ah, je peux l'esquiver, lui, let's go. Ah, ça m'arrange. Moi, ça me fait gagner 3 minutes, moi, de pas me taper un dresseur, hein. Genre, tu mens ça à 10 points. Oh, peut-être pas 10 points non plus. Mais après, faudrait que je le limite. Si, j'espère que si je peux mettre ça en place, je pourrais le limiter. Parce que toi, je sens que tu vas le spammer. Et l'idée, quand même, c'est d'éviter qu'il soit spammé, tu vois. À la limite, toutes les minutes ou toutes les 5 minutes. Et je le mettrais peut-être aller à 10, c'est que dalle. Après, je pense que c'est le genre de truc, genre, si je fais un truc qui, je sais, se retrouvera en vidéo, je pense, désactiver les TTS. Pour être sûr d'avoir une vidéo clean qui n'est pas gâchée. Après, si c'est un truc à la limite Mario Galaxy, le Jumpless, vu que je sais que c'est une vidéo qui aura beaucoup de wow-off à la fin, là, d'accord, à la limite. D'ailleurs, j'ai fait la miniature, déjà. Je n'ai même pas démarré le montage, j'ai déjà fait une miniature. J'ai fait une miniature en mode moderne. En mode... Alors, fun fact, l'IA est pratique. Regardez ma belle miniature. Voilà. Pour la vidéo Mario Galaxy où faut pas sauter. Voilà, je l'ai fait tout à l'heure, la miniature. Il m'a fait chier, hein. Je l'ai fait avec l'IA Leonardo, l'image. Elle m'a cassé les couilles, là. Elle m'a pas donné de bon Mario, là. Trop beau. Oh, merci. Après, le Mario pourrait être mieux. Déjà, il a pas de moustache, mais bon, de dos, on le voit pas. Du coup, je lui ai dit, ouais, je lui ai donné l'image de Breath of the Wild avec Link, qui regarde le fond. Et j'étais en mode, ouais, fais-moi Mario, mais comme dans Link de Breath of the Wild, avec cette image, il est sur un caillou, il regarde des planètes. Il y a que le Mario qui était bien. Les planètes, je les ai jamais eues. Du coup, après, j'ai détouré le Mario et le caillou sur lequel il était. Et après, je suis allé sur Internet et j'ai tapé, je sais plus, Wallpaper, Space, 4K, AI. Parce que les trucs en IA de l'espace, ils font des trucs magnifiques. Et j'ai pris ça. Et après, bah, j'ai ajouté mon petit texte. Alors, le petit texte, il peut faire un peu tâche. Mais la seule chose que je changerais avec cette miniature, c'est justement ça. C'est le texte, parce que je savais pas quoi mettre comme texte. Et habituellement, dans mes miniatures, j'utilise ce texte-là. Évidemment, j'ai ajouté un petit luma. Et des effets de pétales de sakura, parce que dans toutes mes miniatures, j'ai des effets de pétales de sakura. Il y a aussi les traits blancs sur les côtés, mais ça faisait moche. Trop beau, bah merci. Mais voilà, du coup, j'ai fait la mini en avance. Parce que tout à l'heure, je me faisais chier, je me disais, ouais, vas-y, en vrai, je suis chaud de faire ça. Alors, le TTS, la soundboard, genre un truc en début de stream où tu peux dire bonjour avec une soundboard. Ouais... Mais je sais pas si vous pouvez faire ça. Bon, soundboard. Point de chaîne. Mais très limité. Mais beaucoup limité, parce que je veux pas être emmerdé par ça. Genre un coucou de Jirachi. Ah. Pourquoi pas. Stream avatar avec genre... Attends. Stream avatar avec genre, avec 100, tu peux lancer un battle royale. Quoi ? Stream avatar ? Stream avatars ?
putain! Oula, attends. Attends, ça coûte 15 balles? Parce que je vois qu'il y a un site Stream Avatar. Et sur Steam aussi, il y en a un, mais ça coûte 15 balles. Je pense que c'est gratuit quand même. Ah, quoique. C'est gratuit ou pas? Stream Avatar qui? Ah non, c'est payant. Mais oui, mais c'est parce que j'ai déjà vu un streamer qui m'avait raid. J'avais vu qu'il avait ça avec des Pokémon. Je suis en mode, putain, c'est génial, c'est quoi? Ah ouais, je pensais pas que ce serait payant, un truc comme ça. Ah ouais, 15 balles, c'est pas donné quand même. Même le jeu de l'époque, il est beaucoup moins cher. Putain, dommage. Bah, à la limite, si t'arrives à choper un équivalent, pourquoi pas, tu vois. Genre, à la limite, on le fout... genre, tu vois, sur cette scène-là, là, en dessous, avant, j'avais mes annonces de... Enfin, j'avais les derniers follow, le dernier donneur de bits, le dernier sub, mais je trouvais que c'était moche, du coup, j'ai retiré. Mais tu vois, du coup, là, ce qu'il y a à ma droite, là, en dessous de la capture de jeu, normalement, ça sert à rien. Au-dessus, là, c'est le chat, donc c'est normal que ce soit vide, mais à droite, là, ça sert à rien. Donc, à la limite, sur cette scène-là, tu vois, ça pourrait être bien d'avoir ça. Attends-moi! Oh non! Waouh! Tu n'as pas pris de temps pour traverser la route victoire! Tu es vraiment une merveille, Luna! J'ai couru comme un fou pour te suivre! Tu te demandes pourquoi toute cette agitation, n'est-ce pas? Eh ben, c'est simple! Je suis venu ici pour te défier dans un combat! Tu vois, après ce que nous avons vécu, je ne pouvais pas attendre d'être rencontré à nouveau pour me tester. Putain! Alors j'ai demandé à Asté, il m'a dit que tu serais là, tu te diriges vers le bon zodiac, n'est-ce pas? Dans ce cas, un nouveau combat ne peut être que bénéfique pour toi et tes Pokémon, n'est-ce pas? Que le meilleur gagne! Oh, le beau oiseau. J'aurais bien aimé l'avoir, ce oiseau. Mais tu vois, level 54, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Eh, c'est ça le problème. C'est ça le problème, j'ai trop d'avance! Ah, il m'envoie Pikachu. Bah, à part s'il me dépasse... Ah bah, après, c'est un Pikachu, quoi. Pika! Il est vraiment dégueulasse, ce Pikachu. Mets des soundboards, déjà. Alors déjà, ma soundboard... Depuis que j'ai reboot mon PC, je n'ai rien mis dans ma soundboard. Je crois que j'ai... Je vais vérifier, mais je crois que j'ai remis en place... Non, j'ai même pas mis en place de son. Je n'ai plus aucun son dans ma soundboard, alors que j'en avais plus de son. Mais faudrait que je le fasse. Mes flammes. Non, mais faut que je m'en occupe, faut que je prenne le temps. Vraiment, si à un moment je me fais chier, je le ferai, tu vois. À la limite, je me fais un parsec quand je suis à l'école, et je m'occupe de ça. Oh là là, mais je gagne encore de l'XP, mais j'en peux plus. Ah, mais tu vois, c'est nul, parce que je les one-shot tous, quoi. Ah, un truc qui se fait automatique. Ah oui, non, mais j'ai bien compris. Ouais, faudrait que je fasse un truc. Je savais que ça allait se terminer comme ça, mais je voulais quand même essayer. Luna, merci. C'est grâce à toi que j'ai compris que je ne devais jamais abandonner. Moi, c'est Naruto qui me l'a appris. Ton énergie, ton charme, ton amour pour les Pokémon. Tu es l'exemple d'un dresseur que tout le monde devrait suivre. Tu es tellement extraordinaire et je suis sûr que tu vas gérer cette situation. Comme tu l'as toujours fait. J'ai failli oublier. Je sais que ça peut paraître fou, mais en revenant du Xenoverse, j'ai trouvé une grande surprise dans mon sac. Un autre spécimen de X de Pikachu. Celle-ci, cependant, était différente de la mienne. Et pour être honnête, je n'ai pas l'impression de bien m'entendre avec elle. Je voudrais que tu l'aies pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Je suis sûr que tu en prendras bien soin. Ah, c'est la Pikachu rose. Je vais l'appeler Pikachu. Pikachu. Ah, au revoir. Luna, écoute, je ne suis pas venu ici uniquement pour ça. Il y a quelque chose que je voulais te dire. En fait, je suis ton frère jumeau. Parce que si dans le jeu, ton papa, il avait décidé qu'il avait un fils, ça aurait été moi. En fait, on est ensemble. Laisse tomber, je voulais juste te souhaiter le meilleur pour tout, c'est tout. Il faut que j'y aille, bonne chance encore. Mon zodiaque.
Les dédicaces, je t'aime. Je pensais qu'il allait me dire ça. Bonjour. Même pas l'ombre de cette ancienne idole de l'eau. Je peux faire en sorte que tes Pokémon se souviennent de n'importe quelle capacité. Ah ouais. Pour Pikachu. À la limite. Ah, y a... ah si, il y a un PC. Tiens, on va regarder les stats. Ah, nous avons des effets. Super, top, secret. Kiki, quoi? Le donneur virtuel de capacité. Oh. Mais non! Mais c'est incroyable. Gagne d'autres badges et tu auras accès. Mais c'est génial. Alors, Pikachu. Ah ouais, level 30. Ah, elle est moche. On dirait un lapin, on dirait même pas une souris. Oh, type fée. Bah ouais, bah non, du coup. Par contre, le donneur de capacité, il m'intéresse de fou. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, en fait, on a accès à toutes les attaques qu'il peut apprendre. Ah, je suis très deg. Parce que là, il y a une stratégie que j'aurais kiffé mettre en place. Mais en vrai, j'ai tellement d'avance que je le ferai pas, ça sert à rien. Wiro, dans Pokémon Empyrean, j'avais un Musteflot que j'avais appelé Wiro. Et la stratégie que j'avais avec ce Musteflot, c'était de jouer Abri Toxique. Reste, évidemment. Et Détrempage. Comme ça, je pouvais utiliser Toxique sur les types acier, les types poison. Et les types plantes, je sais pas s'ils étaient immunisés, mais bref. Grâce à Détrempage, je transformais le Pokémon adverse en type eau. Et du coup, j'étais obligé de pouvoir caler un Toxique. Et bah c'était trop bien. Et j'ai réutilisé la technique Abri Toxique, évidemment. Avec Locklass dans Pokémon X en Unlock. Oui, et je suis mort. Désolé. Bah, en vrai, je vais rien lui... Ah, si, séisme, à la limite. Non, mais séisme, j'ai... Pff, pourquoi faire? Séisme me servirait à quoi? Je peux taper les types roches et électriques. Donc, ça vaut le coup. Et les types électriques, c'est des Pokémon vraiment chiants pour moi. Et les types dragons aussi, en vrai. Ouais, la place de grandement. Bah écoute, on va refaire l'équipe. Hein. Attends, je reviens. Pas de problème. Alors, Sora, qu'est-ce qu'on peut donner à Sora? Ah bah, tonnerre à la place de coup de jus, déjà. J'ai été sub chez quelqu'un. Ah, normal. Et ça me coûte de l'argent, du coup, de changer les attaques? J'ai pas l'impression. Parce qu'ils mettent un compteur d'argent, mais je crois pas que ça me prenne de l'argent. Ah, canicule, vent violent, rebond. Ah, acrobatie, ça pourrait être intéressant. Ouais, je pense pas que j'aurai beaucoup d'attaques utiles avec lui, hein. Ouais, il a quoi Sora comme attaque? Ouais, non, mais c'est très bien. Hein. On a la meilleure attaque vol avec une bonne précision. Cotogarde qui est vraiment utile. Tonnerre. Ah, il a écrasement qui est nul. Ouais, mais pff, à la place d'écrasement, je lui donne quoi? Balayage? Merci. Je peux lui donner balayage à la limite. Ah oui, ça coûte 10 000 de remplacer une attaque. Putain, mais ça serait trop bien qu'il fasse ça dans les jeux Pokémon. Hein. Au lieu de te faire chier, là, à faire des egg moves. Bon, alors les autres, qu'est-ce qu'on a? Kyusaichu. Ah, Kyusaichu, lui, il peut apprendre des choses, je pense. Traco météor. Quoique, en vrai. Il a quoi? Il a Jet Sable, Danse Draco, Draco Griffe. Et Machouille, je crois. Il faudrait que je lui donne une bonne attaque physique si possible. Bon bah je connais pas la personne. Bah écoute. Alors est-ce qu'il y a des trucs bien? Bon évidemment ils peuvent tous apprendre toxique. C'est quoi ça? Dragon endurance? Nul.
Ah non, il a rien de... rien d'utile. Rien d'utile. Ma mère. Elle a balle ombre, malédiction, machination, pouvoir lunaire. C'est très bien. Kizame, il a aquajet, cascade, antise et crogivre. Très bien. Et oiseau malade, ouais. Il a... Ah oui, bah oui. Déjà, là, je vois tricherie. Quoi ? Ah, j'ai déjà tricherie. Ah, merde. Moi, j'aimerais bien séisme, s'il peut l'avoir. Attends, je vais quand même vérifier s'il est meilleur en physique ou en spécial, parce que j'en ai aucune idée. Les croix, ça peut être intéressant avec lui. Alors, ah oui, il est bien meilleur en physique. Alors, tricherie, os ombre. Ouais, bah, en vrai, quoique, est-ce que j'ai un intérêt de os ombre? Parce que les attaques spectres, ça tape super efficace les psys et les spectres. Ce que fait déjà le type ténèbres. Oh, bah, ça sert à rien, alors. Aiguisage, os meringue. Donc, je me débarrasse d'os meringue pour séisme et os ombre aussi. Donc, il faut que je... Donc, séisme et une autre attaque, du coup. Par contre, c'est génial ça, parce que ça veut dire même si t'as des Pokémon de merde, tu peux faire ça. Elle. La poupe. Alors. Peut-être une attaque de type statue, ça peut être intéressant. Dépit. Non. Alors, séisme déjà. Et une dernière petite attaque pour regarder. Et après, on va lancer la ligue. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Un piétisol pour baisser la vitesse, ça peut être intéressant. Ou un truc pour endormir, sinon. Oh putain, reflet. Ah, dans slam. Dans slam, bien meilleur que l'autre attaque, là, vu qu'il a 100% de précision maintenant. Non, dans slam, bien meilleur. Parce que aiguisage, ça augmente l'attaque et la précision d'un cran. Mais là, les attaques qu'il a ont déjà 100% de précision. Donc aiguisage ne sert plus à rien maintenant. Et à la limite, je lui donne toxique en dernière attaque. Comme ça, j'ai un Pokémon toxique. Après, je sais pas si j'aurais vraiment un intérêt à ça. On verra, vas-y, je vais aller tout en bas pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Ah ouais, peut-être ombre portée ou Kuba pour avoir une attaque de vitesse, là. Piège de rock, je pense pas que ce soit utile. Ouais, allez. Kuba pour avoir une... J'ai oublié. Une priorité. Voilà. Eh ben écoutez, est-ce que j'ai besoin de soigner mes Poké ou je l'ai déjà fait? Je crois que je l'ai déjà fait. Et niveau objet, je suis comment? Là, j'en ai 15 de ça. Et là, je suis à 16. Là, je suis à 15. Bon, allez, je vais en reprendre un peu. Mais de toute façon, les points de chaîne, j'en ai tellement avec Silver qu'on fait chuter l'économie. J'ai été censuré par Twitch sur mon dernier message. Ah. Attention! En entrant dans le Mont Zodiac, vous ne pourrez plus utiliser de centre Pokémon ou faire des achats pendant toute la montée. Voulez-vous continuer? Non. J'ai combien de rappels au cas où? J'en ai 7, 10 et 20. Ouais, ça devrait aller. Soukabliat. Ah. Bon, allez, c'est parti pour la ligue. On va faire une petite save, évidemment. Et c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a moyen de connaître leur type? Bonne chance. Merci beaucoup. Mais bon, entre nous, je pense que ça devrait aller. Alors, est-ce que ça va être notre papa, le chef? C'est quoi la ligue, en fait? Oh... Plante ou pas? Oh, mec, alors si c'est type... Non. Ah, attends, on peut essayer de deviner un peu. Mais t'as jamais joué à un jeu Pokémon, Widrow, pas? Alors, plante, on a déjà fait. Combat, acier, eau.
spectre. Je sais plus. Son. Feu. Et acier. Alors, quel type on n'a pas encore fait? J'ai pas fait insecte, mais ça m'étonnerait qu'on l'affronte. J'ai pas eu ténèbres. Bon, dragon, c'est sûr à 100% qu'on l'aura. Type fée aussi, je pense qu'on l'aura. Bah, c'est les deux, c'est deux types excellents offensivement. Vol, je pense aussi. Vol, dragon, fée. Glace, peut-être. Ah, on n'a jamais eu sol ou roche. Ok, donc moi je dis... Ah, électrique non plus, on a pas eu du coup. Donc moi je dis... Dragon et fée, c'est quasi sûr qu'on l'aura. Après on aura sol ou roche. Et après, ouais, électrique ou vol. Mais après si c'est des cardinaux... Je pense que c'est des mecs vieux un peu. Un peu mystiques. Donc je pense que le type... Ah, le type psy, peut-être. Je sais pas. Ouais, écoute, on verra bien. Allez, c'est parti. Mais déjà, chez... Ah, ça, ça nous donne des indices. Très probablement. Donc, on affronterait un type psy, ici. Donc, si c'est psy... ou fée. C'est possible. Et si c'est fée, Croque-Mousse est le meilleur Pokémon. Ah, c'est lui. Ah oui, lui, je lui donnais cette voix. Je te souhaite la bienvenue, élu. Pendant des années, je vais garder le Philéon Temple dans l'espoir de retourner un jour sur cette terre feinte. Un terrain vague où le suprême Luxulon façonne la terre sur mesure pour ses cardinaux. Qu'est-ce qu'un homme peut demander de plus? Élu, enfin, c'est grâce à toi que je suis ici. Au pied du mont Zodiac, eh bien, sois prêt, je vais te montrer ma gratitude avec un combat brutal sans limite. Alors, est-ce que c'est fait? Cardinal Schwa. Cryptero. Donc, c'est bien type psy. Eh, 59, ça va, hein, quand même. Hein. Bon, au pire, je switcherai... J'ai oublié de me soigner. Eh ben, c'est pas grave. Je pense pas que ça changerait grand chose. Genre, il tank. Genre, il tank. Bon, je vais faire bout de feu pour économiser. Ah. Ah bah, je vais prendre très très cher, là. Baf. Ah, mais les types psy sont nuls en physique. Ouais, faut que je spam les bouts de feu, à la limite. Alors, next, qu'est-ce qu'il m'envoie? Kaorin. Ouais, bah écoute, ça va partir sur qui sa mère. Il t'aurait 5 attaques. Oui, c'est un peu la merde. Alors du coup, la ligue, c'est le défi ultime de chaque jeu Pokémon. Où tu vas affronter les membres du conseil 4. Donc, 4 dresseurs qui ont un type en particulier. Et qui sont en principe les dresseurs les plus puissants de la région. En tout cas, les plus hauts level. Ah, pas cool ça. Et derrière, tu auras le champion de la ligue à affronter. Et là, dans le jeu... Je pense pas que ce soit notre père, le maître de la ligue, quand même. C'est possible, mais je pense pas. On l'a affronté déjà 2-3 fois. Moi, je vois bien le mec cyborg, mais ça serait très random que ce soit lui. Ah bah non, attends, non, je pense que ça sera le prof de la région. Aster, on l'a jamais affronté. Ah non, ça doit être Aster. Avec son Suicune, là. Ah non, ça doit être Aster. Toco Pisco. Oh putain, ils vont nous sortir tous les tocos. Ah, et si c'est Pisco, faut croque-mou. Je suis potentiellement utile à la patrie à partir de demain. Et pourquoi? Ah merde! Oh mais je connais pas son type à lui, là. Mais attends, mais... Ok.
j'ai passé un entretien pour la gendarmerie. Pour l'armée. Gendarme réserviste. J'avais raison. Genre, c'est pas très efficace. Putain, c'est vrai. J'avais oublié. C'est le type fée qui prend cher. Et là, j'étais pas très efficace, mais je connais pas le type son, je sais pas. Alors, est-ce qu'il est type plante? Non. Ah, j'ai mal. T'as deviné. Ah, mais pour être utile à la patrie, moi je sais. Hein. C'est soit que tu payes tes impôts, soit que tu fais un truc genre pompier... Comment, ouais, gendarme réserviste, pompier volontaire. Persage. Ah, Persage, mon Pokémon préféré. Ne pas voter à gauche. Après, c'est une question de point de vue, mais bon, oui, si on pense à ça, oui, forcément. Mais bon, c'est une question de point de vue à ce niveau-là. C'est pas une question de patrie. Si, en vrai, c'est une question de patrie, vu que la gauche, ils sont pas trop en mode patrie. Sauf pendant les guerres mondiales. C'était travail, famille, patrie. Neburia. Ikikeka. Oula. Ah, c'est l'autre fossile. Ah, c'est un type psy. Eh oui, moi j'ai pris le fossile singe, mais il y avait le fossile pieuvre. Donc il est type psy ce truc. Psycho. Ouf. Ah merde. Ah, c'est chiant d'avoir des KO. Sinon, je fais la ligue en mode Nuzlocke, hein. Pour me donner une difficulté. J'ai pas vu la vie qui lui restait à l'autre, là. Ouais. Bon, en espérant qu'il soit pas type sol, parce que sinon Sora, il fera rien. Mais tout était prévu, parce que Sora enrage maintenant. Ah, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de faire croire que j'étais mort. Bon bah voilà, premier membre du conseil 4. J'ai si longtemps attendu la venue d'un Messie, me demandant s'il était vraiment à la hauteur de la tasse à laquelle le destin l'avait deviné. L'avait deviné? J'ai dit, l'avait deviné? Destiné. Maintenant que j'ai pu voir par moi-même, tous mes doutes ont complètement disparu. Luna, tu mérites mais vraiment de porter le titre d'élu. Cependant, je ne suis que le premier des adversaires que tu affronteras aujourd'hui. Des défis difficiles t'attendent encore sur ces montagnes. Il ferait bon de calmer ton esprit et ton âme avant de progresser. D'accord, monsieur. Donc on connaît leur type avant d'entrer, ça c'est bien. Vas-y, on va le faire en Nuzlocke, le truc. Hein. Oh, les PP Max, oui. Les PP Max de lance-flammes. Let's go. On va en profiter pour soigner. Sora, je vais pas le soigner pour qu'il reste sous cette forme. Premier appel direct. Non, mais vas-y. Vas-y, on va faire la ligue en Nuzlocke. Au moins, voilà, j'ai commencé le jeu en Nuzlocke. On va le finir en Nuzlocke. Mais après, j'ai tellement d'avance en XP que, bon. Vraiment, pour moi, ça change pas grand-chose. Bon, je peux aller plus vite, non? Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Donc là, on a affronté un type psy. Ouais, des trucs un peu mystiques. Vu qu'on a affronté le type psy, je pense pas qu'on ait un type fée, parce que les deux types, je trouve, se rapprochent trop. Bon, dragon, on sait qui. Ça va être le gros vieux, là. On sait que ça va être le type dragon. Après, pierre, ça fait très mystique, donc je pense qu'on aura un type caillou. Un type roche, pardon. Donc dragon, psy, roche. Après, vol, peut-être. Électrique, c'est pas du tout mystique, donc je pense pas qu'on ait un type électrique. Ah, glace? Des temps anciens? Bah, je pense qu'on va laisser Croque-Mou en première position. Hein. De toute façon, personne ne peut affronter des types glace, là. Lui, c'est un type dragon, donc il est super... Il est pas... Comment? Il se fait niquer par le type glace. Lui, c'est un type vol, il se fait niquer par le type glace. Lui, c'est un type sol, il se fait niquer par le type glace. Lui, c'est un type feu, donc il défonce le type glace. Et alors, est-ce qu'on connaît ce cardinal, du coup? Ou c'est la meuf de tout à l'heure? Ah oui, c'est ça. Je suis enfin arrivé, enfin! Mais non, je suis enfin arrivé. Ah! Stylé ce conseil 4, n'empêche. S'attendait à ce que tu sois celui dont on parle, je suis... Mais attends, j'ai oublié sa voix à elle.
Bon, bref, je vais lui laisser cette voix. Qui s'attendait à ce que tu sois celui dont on parle? Je suis Niva, ravie de te rencontrer. En exclamation. Bravo. Un frisson me parcourt le dos à l'idée que Luxion nous veuille tous les deux en même temps, Seigneur. Notre rencontre est dictée par le destin. Je suis peut-être la plus jeune de tous les cardinaux, mais cela ne signifie pas que je ne vais pas pouvoir remplir mes obligations. Tu verras, ma froideur te changera en statue de glace. Amène-toi. Bon. Oula. Putain, un grand, grand cardinal. Bon, malheureusement, voilà. Bon, j'ai 10 levels d'avance. Ah merde, ça m'a pas régène mon truc. Je pensais que ça me régénerait mes pépés. Bon, entre nous, le type glace. Voilà quoi. Donc les prochains, ça serait Dragon Roche, logiquement. Bon, disons que j'ai pas trop peur d'un type glace, quoi. Ouais, si elle m'envoie Polagreve, c'est qu'elle doit avoir une attaque haut. Je sais plus, Polagreve, il peut apprendre cascade, peut-être, non? Mais bon, on va malheureusement rouler sur la ligue, parce que j'ai trop d'avance en XP. Hein. Mais bon, même si j'avais pas eu toute cette avance, dans tous les cas, je suis plus en Nuzlocke, donc... ça en aurait pas été très difficile. Ouais, je vais faire un petit bout de feu. Ah, il me dépasse! C'est fini, ce conseil. Ah, mais là, le conseil, il est fini tito, hein, je pense. Hein. On verra après s'il y a un post-game à faire, mais bon. Enfin, oui, il y en a un, je sais. Mais je t'avoue que je m'en fous un petit peu du post-game. Moi, je veux juste finir ce jeu pour lancer un nouveau let's play. Ah oui, et logiquement, ils ont tous les tocos, du coup. Et là, c'est Toco Pion. Et pourquoi il ressemble à ça? Alors, c'est hyper logique, du coup, qu'ils aient des tocos, les cardinaux. Mais pourquoi Pion? Pourquoi le mot court est plus long que le mot long? Parce que la France... Je ne sais pas. Non mais très bonne idée de leur avoir donné les tocos. En vrai, ça aurait été bien que les tocos... Putain, ça aurait été génial ça en vrai. Que dans la ligue de Pokémon Soleil et Lune, que les tocos, ils viennent en tant que Pokémon final de chaque conseil. Ça aurait été trop bien ça en vrai. Il m'a dit quoi, Kémorse? Alors j'ai un doute que le type son soit super efficace, mais je pense que je one shot dans tous les cas. Ouais si. Bon, je pense qu'un surf aurait suffi. Après, ce machin peut avoir isogresse, donc le type feu serait devenu une sorte de résistance. Bon. Wow, quel duel magnifique! S'il est vrai que le froid préserve, j'espère qu'il me permettra de conserver ce souvenir pour toujours. Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y aura jamais de flocons de neige identiques, mais ils seront toujours aussi magnifiques. Garde ça à l'esprit, continue de proposer les autres cardinaux, t'entendent. D'accord. Le combat le plus simple. Mais en fait, je pense que malheureusement, tous les combats vont être faciles. Parce que j'ai trop d'avance et j'ai croque-mou. Et mon starter est beaucoup trop puissant. À la limite, je peux jouer avec un autre poké. Genre, on se dit là, si le prochain c'est le type dragon, j'envoie Kyuseishu. Mais le problème de Kyuseishu, c'est qu'il risque de se faire one-shot. Et j'ai pas envie qu'il se fasse one-shot. Parce qu'il tanque pas trop les attaques dragon, lui, c'est un type dragon. À la limite, faudrait que j'envoie ma mère si on a un type dragon. Mais bon, on verra. Allez, on va switch. Allez, vas-y, je laisse Kyuseishu en first. Mais par contre, il me faut une huile. Ouais, voilà, parce que là, les lance-flammes de Croque-Mou, il en a plus beaucoup. J'ai vraiment besoin de lance-flammes. Non mais la ligue, je vais lui rouler dessus malheureusement. Croque-Mou est vraiment trop puissant pour le jeu. Oh, ça le sent l'électrique ça. Le fait que les lumières soient jaunes. Putain, mais pourtant, type électrique, je trouve que ça passe pas bien. On verra hein. Ah non, roche ça. Roche. Sol. Vu que là on est dans une zone un peu cactus et tout, je pense que c'est le type sol. Oh, quoique, j'en sais rien. Ça pourrait être les deux. Ah, type vol. Ah, type vol. Ah bah, il faut que j'envoie Galopin. Te voici élu.
Ah, c'est la... C'est... Comment il s'appelle, Peyote? Bah, si c'est type vol, Sora, du coup. Est-ce que j'ai un aimant en objet? Parce que là, les attaques électriques, là, je vais me faire plaisir. Après, 100%, il va m'envoyer un score vol pour m'embêter. Alors, est-ce que... Ah, j'ai la plaque Elec. Ouais, comme ça, on aura un autre bonus de dégâts. Bah écoute, c'est parti. Tu sais, avant d'être choisi comme cardinal, j'ai parcouru le monde entier. Je voulais connaître les merveilles cachées au-delà du Sunflare Canyon. Des forêts épaisses, des rivières déchaînées, de vastes océans, des sommets enneigés. Ce sont les choses dont la nature nous a dotés. Chaque jour, je remercierai l'être de lumière de m'avoir permis... D'accord. Non, il manque un mot, je crois, ça me semble bizarre. Chaque jour, je remercierai l'être de lumière de m'avoir permis d'assister à la beauté de ces merveilles. Et maintenant que je suis enfin en mesure de restituer tout cela, je ne laisserai pas passer cette chance. Vois, grand-père, ton peyote est prêt à s'envoler. Ouais, donc type vol. Ça commence bien, Pokémon qui a fermeté! Ça peut être intéressant, Cotogarde. Et un mur de type physique. Ouais, Pico. Ouais, à la limite, je m'en fous des Pico. Allez, hop. Vas-y, on se met à plus 6 en def. Ah, mais même Sora, il est level 69. Oh, l'enculé! Oh, c'était pas prévu qu'il me fasse Cyclone, petit bâtard. Là. Putain, en plus, j'ai rien pour le taper. Ah, merde, j'ai morsure, j'ai même pas ma chouille. Oh, il va me spammer Cyclone. Ouais, bon. Tant pis. Ah, et vu que je suis un petit vol, je prends pas les dégâts de Cyclone, des picots. Ah, fait chier. Bah, au moins, j'ai brisé sa fermeté de cette façon. Mais dans tous les cas, Sora aurait été forcé d'être switch. Guerriègle. Bon. Là, la chose que j'espère, c'est que les Pokémon ne me dépassent pas. Et j'espère les one-shot, mais en vrai, je devrais les one-shot. J'ai un stab, j'ai une attaque spéciale de monstre, je suis super efficace et j'ai la plaque vol. Mais même si je tombe sur un score vol, je m'en fous. Je suis type vol. Mon Tocorico, je pense qu'il posera problème. Il doit être électrique vol, j'imagine. Sabotage. Ah, il me fait tomber ma plaque vol. Ah, il est pas type électrique! Ah, c'est vrai que les tocos, ils ont tous le type fée de base. Ah, donc il doit avoir le type vol fée, du coup. Ouais, par contre, Sora, c'est un peu chaud que je le laisse. Hein. Oh, quoique Xatu, il me dépasse pas. Il me dépasse pas Xatu, quand même. Ouais. Non, mais Sora, il tape beaucoup trop fort sous cette forme. J'ai pas vu, je crois, il avait deux... Attends. Il a combien? Il a 270 d'attaque SP? 217. Et Kyuseichu, 224 d'attaque. Arouk. Ah, bon, lui type électrique, de sûr. Ouais, pour le coup, je vais éviter lui de l'envoyer. Vas-y, oiseau malade. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les picots. Putain, ce truc peut avoir crash, hein. C'est con, je suis type sol. Haha. Ouais, vas-y, tricherie, hein. Et après, je vais peut-être taper un hat. Wouah, putain, comment il tank. Vas-y, dans slam. Ah, d'ailleurs, j'y pense, j'ai une brocante, moi, demain. Il faut dodo. Critique. Arigato gozaimasu. Et c'est une blague, évidemment, le stream sera extrêmement long, parce que je m'en branle de dormir peu. Mayday, je me suis perdu. Bon bah voilà. Même le plus fort des oiseaux prédateurs n'a aucune chance contre une tempête. J'ai donné tout ce que j'avais dans ce combat, mais tu m'as montré une force sans égale. Je n'entendais pas moins du dresseur choisi par Luxflon. Des sommets toujours plus hauts t'attendent. Attends, déploie tes ailes et va de l'avant. D'accord, monsieur. Bon, on va remettre un petit peu de la vie à notre oiseau Lucienne, parce que là, il a perdu beaucoup quand même. Est-ce que j'ai
des potions. Ah merde. Ah si là. Ah limonade. Ah merde, il a trop de vie. Du coup il n'aura pas la forme. Ah putain il a... Ah fait chier. Ah et tant pis. Tant pis, quitte qu'il soit pas sous sa forme, autant qu'il soit full vie. Ah bah, je vais régénérer les autres d'ailleurs. Du coup, il manque Kyuseichu. Bon bah type dragon, on va envoyer ma mère. Bon ça m'étonne pas hein, que le dernier cardinal ce soit le type dragon. Bah oui bah là tu vois la lave. C'est évidemment référence au cardinal qu'on avait vu. Très sympa ce conseil 4. Eh, hey, il fait type feu, mais on sait que c'est dragon. J'ai attendu ton arrivée, élu. Papa. Bon, ouais, ça devrait aller. Hein. Je me souviens comme si c'était avant-hier lorsque nos chemins se sont croisés au sommet du mont Starburst. À l'époque, tu étais encore inexpérimenté, mais dans les étoiles, il était déjà clair que tu étais destiné à accomplir des choses incroyables. J'ai donc décidé alors de te proposer mon aide. J'ai donc décidé alors. Ça fait beaucoup le donc et le alors. Mais voilà que le suprême Luxflon a choisi une autre voie pour moi. Il sera de mon devoir de tester l'élu pour le forcer à puiser dans l'intégralité de son potentiel. Par conséquent, sur cette montagne sacrée, sur les sommets de laquelle il n'y a ni jour ni nuit par la volonté du Tout-Puissant, moi, Abraham Lincoln, le dernier cardinal, va te soumettre à la férocité des Pokémon Dragons. Oula, ça commence pas bien là. Putain, j'arrivais pas à tenir cette voix jusqu'au bout. Machination! Oh! Papa, est-ce que je peux mettre la voiture qui fait... Ah, je peux pas là. Ah, mes narines se bouchent en mode je vais m'enrhumer. Tocador! Oh, papa. Bah, en principe, je devrais tous les... Les one-shots. Non! Ma mère. Bon, en vrai, j'ai perdu les deux Pokémon auxquels je tiens le moins. Bah, croque-mou en vrai, hein. Mode facile. Eh, level 67 quand même. Le level, il a beaucoup augmenté, là, tout d'un coup. Type dragon. Croque-mou ne fait rien contre le type dragon. Tokotoro, est-ce que je pars du principe que oui, il est type fée, je fais un Starburst parce que ça va être mon attaque la plus puissante? Moi je dis oui. S'il te plaît, tu es type fée. Putain, il est pas type fée. Putain, il a échoué l'attaque, let's go. Donc il est type acier? Non? Oh putain, je l'ai pas tué. Tank. Ah non, je peux pas perdre Croc-Mou. Guérison. Oh, le fils de pute. J'ai comme l'impression que j'ai perdu le combat. Ah putain, j'aurais dû save avant. Ah putain. Bah là, en fait, faut que j'espère qu'il rate son attaque. Parce que... Je pense que personne ne tanque le Tokotoro là. Putain. Putain. Ah, fait chier. Bon, elle saura l'espoir. Oh mais quoi, mais même à plus 3 je prends aussi cher. À plus 3 il me met mid life.
Bon, en principe, il me bute pas, non? Ah si, je crois qu'il me met pile midlife, attends. 50... Ah si, merde, putain. Il m'a mis pile midlife. Ah, je suis obligé de me soigner. Ah, il fait chier. Croque-mou! Putain, ça va être mes deux Pokémon préférés qui vont battre la ligue, ça veut dire. Ça va être Sora et Kyuseishu. Ouais, bah lame d'air, du coup, hein. Exécution. Il empêche d'utiliser certaines capacités. Les attaques de son, non, je crois. Peut-être de faire. Ok, parfait. Parce que là, je suis un bon midlife et en plus j'ai ma forme tonnerre. Donc là, là je vais taper très très fort. Mais putain, il a encore une guérison. Ouais, tu vois. Là, ça fait mal. Et maintenant, je suis plus rapide que lui. Donc je peux l'apeurer. Bon, t'as plus de guérison, on est d'accord là. Ah, il retire Tokotoro, moi ça m'arrange. Hein. Dracolos. L'attaque a échoué à moi. Allez, para. Ah, c'est tout. Ah, il a point glace. Oh, mais je tank. Ah, putain. Lame d'air ou tonnerre? Tonnerre, c'est plus puissant. Et je peux paralyser. Ah, faudra que... Oh putain, je l'ai même pas crit. Eh, c'est chaud, hein, je joue avec le feu quand même. Bon, tant pis. Hop. En espérant que sous ma forme vol, je le dépasse. Je pense que oui. Ok. Putain, il m'a mis 2 KO quand même ce combat pour l'instant. Scaleon. Bon, évidemment, hein, je le savais. Bon, après, j'ai pas trop peur parce qu'il tape physique, surtout. Putain, en vrai, il m'aurait fallu une attaque... Ah, oh, si j'avais, genre, une attaque de boost, ça aurait été génial. Allez, apeur-le. Let's go. Allez, apeur-le. Oh, le cru. Let's go, il a peuré. Allez, balayage pour économiser les pp. Ah, mais Sora. D'ailleurs, tout à l'heure, pendant que je mangeais, je regardais la vidéo de... Alors, j'ai oublié son pseudo. Mais bref, le mec de Retake. Et il y a le youtubeur Sora dedans. Voilà. Mais évidemment, moi, mon Sora fait... Ah, putain, c'est vrai qu'il y a Tokotoro qui a envie. Mais évidemment, moi, ça fait référence à Sora Ciel. Bon, bah, balayage pour économiser les pp. Ah, c'est super efficace. Mais je croyais qu'il était pâti-passier. Est-ce que j'ai gagné le combat? Ou est-ce qu'il en reste un? Putain, il en reste un. Elle n'empêche qu'autogarde meilleur bail. Hein. Est-ce que j'économise mes pp ou est-ce que je m'en fous? Je pense que je peux économiser. Hein. Putain, je lui fais mal. Ouais, en plus, ça devrait le faire. Hein. Vas-y, économisons. Eh ben, écoute, Sora. Bah, Sora, alors là, si je m'attendais à ça... Mon cheval de type vol qui a battu une team dragon. Ah, rien que ça. Ah bon. Eh bien, Lado, je ne peux qu'être fier d'avoir cultivé un tel talent. Mais tu n'as rien fait. Ah si, grâce à lui, j'ai Kyuseishu, mon évoli de type dragon. Celui qui ne laisse pas le péché capital de la colère le serrer dans les mâchoires étroites, mais au contraire est capable de l'exploiter sans renoncer à son pouvoir explosif, égal à la suite d'un volcan. Il est où le verbe dans cette phrase? C'est la ligne qui sépare l'homme ordinaire d'un digne élu. Luna, en te défiant, nous les quatre cardinaux avons rempli la tâche à laquelle nous étions destinés. Alors vas-y, tourne ton regard vers la terre que tu protèges du haut de la montagne qui la surplombe. Le plic des dieux est à toi. Donc moi, mon guess, c'était qu'on affronte Aster, mais l'autre que j'ai, c'est juste qu'on affronte Luxflon. Le légendaire. Qui j'imagine sera un boss, donc si c'est un boss, il va de sûr me défoncer. Donc je vais rester en Nuzlocke, hein, je vais jouer avec cette équipe là, mais je pense qu'il me défoncera. Donc première chose à faire, jette sable avec Kyuseishu. Et après on verra. Oui, je vais sauvegarder évidemment. Bien. Évidemment que je vais save.
Ne t'en fais point. Ah, ouais, s'il saura, c'est mieux qu'il soit full vie. Est-ce que j'aurais pas un intérêt à mettre une veste de combat si j'ai... Je crois pas. Qu'est-ce que brut, ça pourrait être utile. Ah, fait chier que ma mère soit morte. Parce que... ça fait bizarre de le dire à voix haute. Non, c'est chiant. C'est hyper chiant parce qu'elle avait malédiction. Et c'est un boss killer. Ah putain, j'aurais dû apprendre toxique. Ah putain. Bon, on démarre sur Kyusei Shu, hein. Allez. Attends, je vais faire une save maintenant parce que je sais pas si je pourrais sauvegarder devant Luxflon. Si ça se trouve, je pourrais le capturer. Ah, mince. Ah, il y a trop de lumière. Ah, t'es pas portable. Toi. Moi. Et là, on est aux colonnes lance. Ah, même pas. Voulez-vous sauvegarder? Oh. Merci. Merci, le jeu. L'univers, quelque chose de si immense que sa taille ne peut même pas être appréhendée. Devant sa splendeur millénaire, nous, les humains, ne sommes que poussière. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'admirer dans un silence religieux. Et oui, c'est bien Aster, évidemment. Nous avons cependant eu le privilège de voir ce splendide spectacle depuis le sommet. Nous devrions être honorés, tu ne crois pas, Luna ? J'attendais avec impatience le moment où toi et moi nous pourrions finalement nous affronter en combat. Et l'univers a voulu que cela se passe ici, sur le sommet qui domine tout Elio. Qu'attendons-nous alors? Pour une fois, l'univers devra nous regarder. Allez Luna, donnons aux étoiles un spectacle comme elles n'en ont jamais vu. Ah putain, oui, il y a bien la méga dans le jeu. Bon allez. Oh Sacha! Le retour! Je pense que je vais clairement profiter de ce méganium pour me setup. En espérant qu'il ne soit pas de type fée dans ce jeu. Ok, il a pas l'air d'être fée. Il me fait que dalle. Bon, vous connaissez ma strat, hein. Jet de sable, une toute danse draco! Bon, maintenant, faut que j'espère qu'il rate des pouvoirs antiques. Attends, il me dépassait? Ah, il me spam pouvoir antique, ça veut dire qu'il a rien d'autre pour me taper. Bon, je me permets une autre danse draco en espérant qu'il ne me touche pas. Enfin, qu'il n'ait pas d'attaque qui me retire 100 PV. J'esquive, parfait. Donc je continue, hein, moi, de mes danses draco. Oh merde, il switch. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'espère qu'il est pas fait, hein. Je pense qu'il a aucun type fée, sinon il m'aurait envoyé des types fées. Écoute, je suis à plus 4, on va tenter des dracogriffes. Oh, l'enculé, il est type fée! Mais pourquoi il ne l'a pas envoyé plus tôt? Oh, le fils de pute. Bah ouais, mais je pouvais pas m'y attendre. J'ai jamais vu ce truc de ma vie, comment tu veux que je devine que c'est un type fée? Donc lui, il peut rien faire, c'est un type ténèbre. Bah Sora... J'ai l'impression que Sora, ça sera encore à toi de faire le taf. Ah le bâtard. Mais type fait quoi? Et qu'est-ce qui... Vraiment, je l'ai vu, j'étais en mode c'est du papier, c'est quoi son type? C'est un truc origami, il est acier plante ou je sais pas. Bon, on y retourne à coup de ça. J'ai oublié de me remettre mes pépés en plus. Je tank, hein. J'en tank une, hein. Bon, allez, lame d'air. Oh putain, il est acier fait. Dryol. Ouais, ça me dérange pas trop. Dryol, il tape physique, je crois, hein. Je pense que je vais faire des balayages. Ah bah il est normal, donc oui, il faut que je tape balayage. Il y a un monde où je le one-shot.
Dommage. Ouah, Draco Météor. Ah, Sora, oui. Oh putain. Ah, je sais pas, est-ce que je reste bas en vie pour être sous cette forme-là? Mi quoi? J'ai pas vu. Oh putain, c'est un type classe. Oh putain, c'est un type classe. Faut qu'il rate Blizzard. Ah putain. Ah putain. Bah oui, mais j'enrage, mais je suis gelé. Oh putain, la grêle. Ah ouais, mais là, type glace. Putain, type glace est fait, mais juste ces deux types-là, ils me gênent. Guérison. Ah, il faut qu'il rate un Blizzard, mais je crois qu'il peut pas rater sous la grêle. Je crois qu'on peut pas rater Blizzard sous la grêle. Donc faudrait que j'utilise tous ces PP. Mais faut pas que je me prenne de crit non plus, quoi. Il y a aucun monde où je le one-shot. Il y a aucun monde où je le one-shot. En fait, faudrait que je le crit. Ah putain, je suis trop deg que Croque-Mouille se soit fait buter. Sora, calme-toi. Ça va bien se passer. Ok. Y'a plus de musique? La musique, papa! Ah, c'est bon. J'étais en train de me dire. Allez, ça va bien se passer. Souviens-toi des paroles de Darmanin face à Pauline machin chose. Allez! Let's go. Normalement, c'était son dernier bizarre. Allez, est-ce que c'était son dernier bizarre? Yes! Je suis de glace qui est physique, donc je prends que dalle. La seule chose que j'espère, c'est qu'il n'ait pas laser glace. S'il a laser glace, c'est ciao! Alors ce machin, il est type glace pure, j'imagine? Ou glace normale, peut-être? Balayage! Allez, one shot. Oh putain, j'ai stressé pour rien! Bon, allez. Ah, la grêle? Electaburst. Ah putain. Ah intéressant. C'est feu électrique. Donc là faudrait que j'envoie l'autre. Quoique. Si. C'est l'évolution X de la famille de Delicable. Wouah, 70. Est-ce que je tente la danse lame en espérant que je tanque les attaques feu? Ou est-ce que je fais un séisme maintenant? Moi, je serais chaud de tester la danse lame, mais je pense qu'il me tape physique, Electaburst. Hein. Ah, mais là, ouais, le problème, c'est que là, je me bats avec 3 Pokémon, c'est chaud. Bah, 2 Pokémon en soi. Vu que... comment? Mon Evoli, il a rien pu faire. Ouais, je tente la danse lame. Oh putain, Expo Force, mais comment tu veux que je devine qu'il est ça? Comment tu veux que je le devine? Ah putain. Mais mec, mais qu'est-ce que tu veux que Sora y fasse? Qu'est-ce que tu veux que Sora fasse? C'est un type électrique en face. Après, j'ai battu un type glace, mais le problème, c'est que le type électrique, il te tape que en spécial. Ah ouais? Ah bon. Je me suis fait one shot. Ah putain, je suis dégoûté. Ah mais c'est vraiment Kyusei Chu là, il s'est fait niquer bêtement, mais je savais pas qu'il y avait cet un type fait en face. Là le problème c'est que le mec là il m'a envoyé que des Pokémon que je connaissais pas. Eh bien rip. En vrai le combat est gagnable. Au début il m'envoie Meganium. Putain mes cheveux. Fais-le pas en Nuzlocke. En vrai, en Nuzlocke, le combat est gagnable. Hein.
Avec cette équipe-là, là, avec ces trois Pokémon-là, le combat est gagnable. Kyuseichu, il peut se setup tranquillement sur le Meganium. Mais le problème, c'est que derrière, le type feu, il peut pas l'affronter. Donc il me faut une attaque feu. Physique. Il me faut une attaque physique. Forte. Qui bat un type... acier fée. Donc une attaque feu ou une attaque sol. Je crois que j'ai séisme, mais je suis pas sûr. J'ai tunnel. Je pense qu'il peut la prendre. Putain, j'ai ébullition. Acrobatie. Ouais, non. Faudrait que je vais lui donner les restes à Kyuseichu. Ah, j'ai rien. J'ai rien. Bah, j'espère qu'il peut apprendre tunnel. Normalement, oui. Yes. Putain, oiseau malade, il peut pas apprendre tunnel. C'est un type sol. Donc, à la place de morsure. Le seul truc que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas de Pokémon qui pourront esquiver. Mais on sait, Sora est fort dans ce combat. Il y a juste le type électrique qui le one-shot. Et après, du coup, au niveau des objets... objet prendre... Du coup, je lui donne les restes pour pouvoir régénérer sa vie tranquillement. Ah, j'aurais vraiment aimé avoir une veste de combat. Hein. Oiseau malade, qu'est-ce qu'il a comme objet ? Il a le sable doux pour augmenter les attaques trucs. Et là, la plaque Volt de lui, ça lui sert à rien. D'ailleurs, ouais, les PP, faudra que je les regarde. Mais qu'est-ce qui pourrait être bien sur eux ? Ceinture force, peut-être, mais je ne pense pas. Mouchoir choix, non. Je pense qu'il n'y a rien, hein. Y'a rien qui peut valoir le coup. À la limite, la roche royale, mais bon. Pour essayer d'apeurer. Pour augmenter le taux d'apeurement. Mais bon, je suis pas convaincu. Ouais, lunettes choix. Ou orbe vie, non. Ouais, je sais pas. Là, y'a rien qui m'attire en particulier. Baisse la précision. Ouais, non. Hein. Je viens de battre N, ça m'a fait chier. Ouais, et même l'autre, hein, je sais pas ce que je pourrais lui donner, hein, mon autre poké, là. Ouais, bon, tant pis, hein, partons sur ça. Faisons la stratégie Kyuseichu. Et dès qu'il m'envoie son truc, là, bah, faut que j'espère que ça suffira. En espérant qu'il me l'envoie pas tout de suite. S'il me l'envoie tout de suite, je suis dans la merde. Putain, mais Croque-Mort était tellement fort dans ce combat. Il avait un Rayquaza avec l'attaque coup victoire. Ah, rien que ça. Mais c'est pas trop random pour qu'il ait cette attaque, je pense. En fait, dans le jeu, j'aurais dû faire un Nuzlocke. Mais avec le droit de refaire les combats. Enfin, ce que je faisais en soi, mais bon. Donc du coup, normalement, j'ai 4 Danse Draco avant qu'il switch. Ah putain, mais oui, les restes, c'est génial ça. Du coup, il me retire peu de vie. La musique est vraiment sympa. De toute façon, le jeu a des très bonnes musiques. Ta 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 ta. Pardon. Ah merde. Ok, donc c'est à la troisième. En vrai, je m'en fous. Je m'en fous parce que là, mon tour est gratuit et là, je fais tunnel. Donc je fais tunnel et si je le one shot, je gagne 2 tours de soin. Allez. One shot le. Allez. Putain, mais si j'avais su que j'allais affronter un type fée acier. Bon, normalement, entre nous, ça devrait aller. Miolumut, c'est quoi ça déjà? C'est le type glace. Le one-shot, le type glace.
Après, méfiance, hein, ce truc est peut-être type fait. Hein. Est-ce que je referais pas de tunnel pour être sûr? Ah, j'ai trop peur qu'il soit type fait. Ok, c'est bon. Donc c'est un glace pur, ce truc. Bon, hein, je suis à plus 4. Je fais des stabs. Normalement, ça devrait suffire. Surtout que je me soigne à chaque fois. Bon, après, il y a la graine, donc... Mon Dryol, c'est sûr, lui, on le one-shot. Non, mais n'empêche, Sora, gros poké. Hein. Ouais, mais 3 Pokémon les plus puissants, au final, ça a été Croc-Mou, Kyuseishu et Sora. Hein. Je pense que t'as gagné. Ah oui, mais là, c'est sûr. Hein. Mais tout à l'heure, j'aurais dû gagner, mais le problème, c'est que je savais pas le type du truc en face. Ouais, tu vois, même Suicune, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? À part si c'est un type fait dans le jeu, mais... C'est lui, sa méga! Ok, il est pas type fait. Et je l'ai one-shot. Oh, je l'ai crit! Kyuseishu, je lui ai retiré son objet qui permet de crit, mais crit quand même. Mais Kyuseishu, mais je t'aime! Mais pourquoi Evoli, il a pas d'évolution dragon? Mais donnez-la lui! Il la mérite! Oh là là... Je t'aime, Evoli dragon! Oh là, ça sera pour un short. J'ai pas vu le Pokémon, mais je m'en branle! Electaburst, c'est toi qui m'as fait perdre avant! Crève! Paf! Ah, j'ai gagné! Ah, Electaburst, ça doit être un Pokémon très dangereux. Putain, et la ligue est haut level du coup, hein, parce qu'on tape du level 70. Hein. Ah, donc finalement, j'étais pas en avance d'XP. Hein. Et on finit sur Meganium. Ah, mon Pokémon! Mon Pokémon préféré de Pokémon Empyrean, Sacha! Tu étais l'élu! Mais nous ne sommes pas dans le bon jeu. Ah là là. Bon bah, let's go. Mais c'est de la triche, papa. Une étoile est née sous mes yeux. Ah oui, mais c'est pas ça sa voix, lui. Sa voix, c'est ça. La première fois que je t'ai vu combattre cet Elekid, j'ai pensé... Ah, c'est ça, Electaburst, Elekid. La première fois que je t'ai vu te battre contre cet Elekid, j'ai pensé que tu aurais été capable d'atteindre n'importe quel objectif. Tous les obstacles que tu as rencontrés n'ont fait que t'aider dans ta quête pour devenir de plus en plus fort. Les champions, les quatre cardinaux et enfin Luxflon lui-même a voulu tester ta puissance. Eh bien, je peux enfin dire sans le moindre doute que j'avais raison depuis le début. Tu mérites vraiment le titre d'élu. Oh GG, merci! Ce magnifique ciel étoilé est pour toi, Luna. Profites-en. Alors... Ah, et on a la fameuse constellation de l'intro du jeu. Tout ce que tu as vécu, que ce soit en bien ou en mal, t'a transformé en ce que tu es aujourd'hui. L'étoile la plus brillante du ciel. Spera, spera, ad astra. Je fais ça parce que le créateur du jeu, il est italien. Et Spera, spera, ad astra, j'imagine que c'est un truc. Et ça veut dire quoi, du coup, Per Aspera d'Astra? Eh ben voilà, Lepini Pokémon Game Over. Bon, c'était bien. Ouais, c'est juste dommage, en vrai, que j'ai abandonné le Nuzlocke. En vrai, ce que j'aurais dû faire, c'est continuer le Nuzlocke, mais je m'autorise à restart les combats difficiles. Ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, finalement. Mais bon. Ah, et là, selon que tu aies pris la fille ou le mec, le type plante avec son spiritombe. C'est qui, lui? Ah oui, c'est un mec du prof. C'est quoi le prochain jeu? Eh bien, le prochain jeu, il va... Bah, je pense que je vais partager... Ah oui, le Charpetto, Kizame. Kizame qui aura rien branlé à la ligue parce qu'il s'est juste fait one-shot. Ah oui, les robots A et B. Ah là, on est en train de revoir notre jeu. On revoit tout le jeu. Alors, je vais partager dans la... Il est vraiment moche, ce Pikachu X. Mais je vais partager le planning, je pense, ce week-end. À partir de la semaine prochaine. Ah, donc lui, il est vraiment mort, du coup, ça veut dire. Il s'est vraiment fait exploser. Ok. Lui, c'est un peu le end du jeu, finalement. Oh, le Mega Volt de glace.
Mais du coup, je vais partager le planning et le prochain let's play du vendredi, ça sera Luigi's Mansion 2. Et derrière, ça sera Luigi's Mansion 1. Voilà. Et après avoir fait ces deux Luigi's Mansion, je ne sais pas trop. Poképark 2 peut-être. Parce que vraiment, pour moi, le vendredi, je crois que ça va faire genre un an et demi, un truc comme ça, que tous les vendredis, je stream du Pokémon. Donc, voilà. Pokémon Empyrean... Non, Pokémon Empyrean, je le streamais pas que les vendredis. Et je dis de la merde, parce que Pokémon New Snap, je le streamais les mercredis. Mais à côté, je crois que j'avais un Let's Play Pokémon, mais je sais plus ce que c'était. Ah, Sora. Sora. Pokémon préféré avec... Tu sais, je suis moins. Galopa X. Et oui, en mode pas content. Ça, c'est pas plus logique, Luigi's Mansion 1 et après le 2. Bah, en vrai, je me dis, vas-y, j'ai fait le 3 à 100%. Donc, on va faire le 2 puis le 1. Voilà. Mais du coup, avant ça, il faudra que je le fasse pour la semaine prochaine, ça veut dire. Ah oui, c'est vrai que le truc de droite, c'est ce que j'aurais eu à la place de ma mère. Mais du coup, il faut que je réinstalle un émulateur Switch. Et vu que Yuzu n'existe plus, je crois qu'il y a Ryujinx qui est une bonne option. Mais il y a d'autres... Normalement, il y en a d'autres. Des émulateurs Switch, il faudrait que je voie c'est quoi le meilleur. Donc voilà, il faudra que j'installe un émulateur Switch pour choper la ROM de Luigi's Mansion 2 parce que j'ai un peu la flemme de l'acheter. Le jeu, je l'ai déjà fini deux fois quand j'étais plus petit. Mais c'est juste là, vu que le jeu y ressort, j'en profite pour le faire. Je connais que Ryujinx. Ok. Ouais. Bon bah, on verra. Donc, voilà. Et après, bah, je ferai Luigi's Mansion 1, vu comme ça, on fait 3-2-1. Et je me dis que si un jour, je devais me faire les Pokémon Ranger... Alors, j'ai déjà fait Pokémon Ranger 3. Mais si je devais me faire les Pokémon Ranger, les autres, je ferais le 2, puis le 1. Pareil. Mais du coup, mis à part ça, au niveau des let's play, bah, pour les vendredis, Luigi's Mansion 2, puis Luigi's Mansion 1, derrière peut-être Poképark 2. Et derrière Poképark 2, je sais pas, mais je pense qu'on sera... Je pense qu'on sera déjà en décembre, au moment où j'aurai fini Poképark 2. Après, Poképark est un jeu très court. Hein. En 3 streams, c'est plié, je crois. Hein. Même pas, hein, peut-être 2. Hein. Ils sont courts, les Poképark. Je vais regarder, mais de souvenir, le 1, je l'avais fini en peu de temps. Hein. Je crois que je l'avais fini en 3 heures, le jeu. Alors, how long to beat, Poképark. 8 heures ! Ah ouais ? Bah attends, j'ai pas mis autant de temps à l'époque, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, Poképark. Alors, premier stream d'une heure. Deuxième stream une heure. Troisième stream une heure. Quatrième stream une heure. Ouais, ouais, non mais j'ai mis que 4 heures. Ouais, donc en deux streams, Poképark, ça sera plié. Hein. Poképark, c'est... Sur Wii, ouais. C'est sur Wii, tout à fait. Le 1 et le 2. Mais d'ailleurs, Poképark, pour moi, c'est vraiment un jeu qui est cool de fou. Mais ils se sont mal vendus à l'époque, je savais pas. Ça s'est vraiment pas bien vendu. Mais ça aurait été vraiment cool d'avoir un Poképark 3. Parce que je trouve que c'est des jeux qui ont une bête d'ambiance, en vrai. Qui ont des animations trop cool. Un jeu Pokémon scouté de très loin. Même Fildrong, il connaissait pas Poképark avant d'y jouer. Il avait trouvé que c'était l'un des meilleurs spin-offs. Enfin, je sais pas s'il avait dit que c'était l'un des meilleurs spin-offs qu'il avait fait. Ou si c'était le meilleur spin-off qu'il avait fait. Mais c'est trop mignon, c'est trop cool. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Poképark 2 est en dessous, quand même. Le 1, je le trouve meilleur. Surtout que dans le 2, t'as presque que des Pokémon de noir et blanc, je crois. Donc... Et le jeu a été fait sur RPG Maker, putain. Moi aussi, je vais faire mon jeu sur Pokémon Maker RPG. Une semaine plus tard. Bon, écoutez, moi, je vais aller aux toilettes parce que là, j'ai besoin d'y aller.
Ta 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 ta. Mais du coup, je me dis qu'après Poképark 2, donc si ça se trouve genre en décembre, peut-être que je lancerai le nouveau Let's Play Pokémon, à savoir Pokémon Fusion Infinite, là. En random, évidemment. Et je ferai un Nuzlocke. Sinon, c'est pas rigolo. Une semaine plus tard. Parce que j'imagine que Pokémon Legend Zelda, il sortira fin 2025. Ça m'étonnerait qu'ils fassent comme Legend Arceus et qu'ils le sortent dès le début de leur année. Donc bon, on verra. Après, si ça se trouve, Pokémon Xenoverse, je referai un stream la semaine prochaine, hein, si le post-game vaut le coup. Luna, tu n'es pas encore prêt. Dépêche-toi, nous serons en retard pour la fête. Quelle fête, maman? Ah, quelle fête? Aster nous a invités à sa grande cérémonie. Aujourd'hui, il devient enfin un professeur à part entière. Ah, parce qu'il l'était pas? Nous ne pouvons tout simplement pas être en retard. Ne sois pas inquiète, chérie, allons-y doucement. Je suis sûr qu'Aster nous pardonnera un peu de retard. Certainement pas, je ne me taperai pas l'affiche à cause de vous, d'accord? Prête ou pas? Attends, prêt ou pas? Allons-y maintenant. D'accord, maman. Ah, c'est rapide. Voilà, vous êtes là, les gars. Mais regardez tous ces gens, tu as vraiment prévu une grosse fête, n'est-ce pas, Aster? Eh bien, ce n'est pas toujours que tu deviens un professeur Pokémon, n'ai-je pas raison? Désolé pour le retard, mais quelqu'un ici n'a pas pu se résoudre à bouger. N'est-ce pas, Lunar? Mais non. Mais c'est faux, maman! Moi, je n'ai qu'une maman dans le jeu, c'est ma mère. Ne t'inquiète pas, Clover, après tout, on parle de l'élu, un petit retard est plus que permis. Je vous en prie, asseyez-vous. D'accord. Je vais m'asseoir. Et du coup? Ah, mais je les reconnais, eux, c'est la team. C'est avec eux qu'on a affronté, on a fait l'arc de ma mère. Et il y a tous les champions d'arène? Parce que là, il y a l'arène O. Non, j'ai l'impression que c'est la seule. J'ai l'impression que c'est vraiment la seule. Ouais, lui, il est là. Bah écoute, on va parler à Aster. Ah, il va me reproposer un starter. Luna, ou devrais-je dire l'élu? En fait, je t'attendais. Tu sais, combattre avec toi m'a ravi comme jamais auparavant. L'idée de devenir professeur me trottait dans la tête depuis un moment. Mais c'était qu'après ce combat que j'ai pris ma décision, je dois te remercier. Il sera désormais de mon devoir d'initier les jeunes dresseurs prometteurs d'Aldu à l'aventure. Alors en souvenir du bon vieux temps, je voudrais inaugurer cette nouvelle étape de ma vie avec toi, Luna. Tu vois, j'ai avec moi trois Pokémon très spéciaux. Les mêmes que je vais confier à de nouveaux dresseurs. Je souhaite que tu en obtiennes un aussi et que tu l'élèves avec soin. Tu en dis quoi? D'accord! Merveilleux, s'il te plaît, prends ton temps pour choisir celui qui te convient. C'est quoi ces trucs? On a une chauve-souris plante vol. Une grenouille feu. Et un éléphant eau. Alors là, il n'y en a aucun qui m'attire. Je vais regarder leurs évolutions parce que... Alors, Croaklink... Si ça se trouve, est-ce qu'il y a Pokémon Xenoverse 2? Non. Combien de temps il a pris? Environ un an? Putain, c'est tout? Ah non, je vois Dragon Ball Xenoverse, c'est pas le même jeu. Et le jeu, il est sorti en 2021. Bon, bref. Alors, les starters. Croaklink. Alors, comment ils s'appellent les autres? Un flan. Et le dernier, Chirip. Là, comme ça, je te dirais peut-être plus la chauve-souris, mais bon, la grenouille peut être très sympa. Alors, on va regarder ensemble. Il dit quoi, là? Ah, si on prend pas les starters là, on peut les avoir dans une autre ville. Alors. Ouais, bof. Bof. Alors, la grenouille. Je pense que la grenouille, elle peut être sympa. Feu sol.
J'ai comme l'impression que Sharpedo, nous avons trouvé ton remplaçant. Alors, à quoi il ressemble? Ah bah oui. Swillephant. Ah bah oui, bah là. En plus, combat. Combat haut, c'est deux doubles types que j'ai pas. Eh bah écoute, ça part sur, sur Swillephant. Eh bah ça aurait été vraiment mon dernier choix, hein, à la base. Voulez-vous donner un surnom? Je vais l'appeler. Je vais l'appeler comment? Je vais pas l'appeler Thibaut InShape, parce que Thibaut dans mes jeux, c'est... Attends, il y a Juju et Thibaut, c'est des macogneurs. Genre, si j'ai un macogneur mâle, c'est Thibaut, femelle, c'est Juju. Donc là, j'ai déjà pris un sportif. Y a qui en sportif connu que je peux connaître? The Rock. Allez, c'est The Rock, même si, bon, il n'est pas chauve, je crois, lui. Il a été stocké dans la boîte. Mais non! Tu veux un flan, c'est un Pokémon très compétitif, parfait pour les combats, bon choix. Je suis sûr que tu seras un très bon éleveur pour ces Pokémon, prends-en bien soin. Let's go. Ah. Oh, Aster t'a donné un nouveau Pokémon, il est si mignon. Il est dans mon PC. Un petit nouveau dans l'équipe, hein, c'est comme si tu étais à nouveau une jeune pousse. Et maintenant, allez, pars t'amuser. D'accord, au revoir. Bon, je parle à personne, hein, je m'en fous. Ah. Mon téléphone vibre. Ah non, un téléphone sonne. Ah, c'est à moi. Attends. Mais qui ça peut être? Ah, allô, oui, c'est moi. Comment? Tu as pu faire la lumière sur cette affaire? Où en es-tu en ce moment? Rodis, ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Ah, ça te dérange si j'amène une amie? Je t'assure que personne ne pourra nous aider autant qu'elle. Parfait, nous arrivons alors. Désolé les gars, mais le travail appelle, donc la fête peut être considérée comme terminée. Merci d'avoir accepté l'invitation et je vous souhaite à tous une agréable continuation. Merci à toi, Aster. Quant à toi, Luna, j'ai encore besoin de ton aide. Une vieille connaissance m'a demandé de le rejoindre rapidement sur la route d'ici. Il a fait une découverte étonnante à propos d'un Pokémon. Je sais avec certitude que nous aurons besoin d'un coup de main. Alors je te demande de nous rejoindre. Ça m'a beaucoup intéressé. Rendez-vous là-bas. Bon allez, en vrai, on va continuer un petit peu. Je vais mettre Infant dans ma team déjà. Ouais, en vrai, je vais y aller comme ça, avec le Poké Wesh. Alors, il m'a dit route 10. Putain, il faut que je retourne là encore, du coup. Et cette route 10, on y va tout le temps. Et j'espère qu'on m'a soigné depuis la ligue. Au revoir. Au revoir, Kizame. N'aura pas servi finalement pour la fin. Mais bon. Il m'aura été utile Kizame quand même dans le jeu. Et du coup, Infant, on va lui donner le œuf chance. Pour qu'il XP vite. Donner. Cadeau. Bon, j'imagine qu'en talent, il a le talent des starters. Il est moins attaque, plus défense. Super. Pour un type combat, c'est génial. C'est génial, Nils. Bon, en route 10. Ouais, sinon, je m'arrête vraiment devant la route 10. Quoi. Ah, peut-être ici. Il m'a pas dit route 10 ou... Oh, mais putain, mais en plus... Ah, oh, putain, c'est vrai que c'est des herbes, ça, j'avais oublié. Par contre, faut que je me méfie parce que les starters, je les ai pas tous faits. Hein. Bon, attends, je vais mettre l'une des stars de la ligue. Sora. On ira, on saura sauver notre existence. Ah, il y a une grotte là. Alors, est-ce qu'il fallait que j'aille là du coup? Oh, Wiro, c'est toi. Mais bon, malheureusement, l'équipe est déjà prise. Je vais te laisser dans la nature. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il fallait que j'aille là? Parce que j'avais pas surf avant. Un Emelios femelle. Le retour de Lana. Sac. Bon, allez, on reprend les repousses.
Mais t'inquiète pas, Wiro. Ah merde, c'est juste pour avoir les Pokémon X. Ah ouais, mais on s'en fout alors. Bon, faut que je fasse gaffe au dresseur, hein, parce que je sais pas ce que j'ai pas fait. Hein. Méfiance, méfiance sur les dresseurs. Bon, putain, j'allais dire lui, je suis obligé, mais non. Ah, je l'avais pas vu lui. C'est trop risqué. Ah bon? Et je peux pas le faire. Putain. T'es chié! J'en ai marre de ce combat de merde. Oh, et en plus, vous m'envoyez un Pikachu. Après, Pikachu, il a une. Il a une def de merde, mais j'ai peur qu'il est statique. Ça a l'air d'aller. Ah oui, bah Zoroark qui va en prendre des niveaux là. Ouais, je lui donnerai des attaques plus tard. Hein. Là pour l'instant, il XP, c'est déjà bien. Ouais, j'imagine il apprendra Close Combat. Ah, gonflette, bien. Bien gonflette, ça je veux bien. Une attaque de boost. Ossature. Ah ouais. Ah ouais. Alors la vraie question c'est, est-ce que il y a juste une proba de tomber sur des shiny par les adversaires? Et donc juste j'ai pas... Alors est-ce que du coup j'ai pas de chance de tomber sur un shiny? Parce que là j'avais vraiment une chance sur 4000 de tomber sur un shiny et c'est tomber sur un adversaire. Ou est-ce que ce dresseur a forcément un shiny? Je pense que j'ai juste pas eu de chance de tomber sur un shiny en adversaire. Putain, il me fait penser à Gros Tichon. Mais je préfère celui-là. Gros Tichon, il est moche. Qui aime Gros Tichon? J'ai comme l'impression que je n'ai pas le choix de t'affronter. Ah? Ah, je l'ai déjà affronté. Je suis déjà venu là. Je me souviens pas. Ok. On m'a bien dit d'aller à la route 10. Fildrang, où je dois aller, s'il te plaît. Mais du coup, je crois qu'il a fait un seul stream post-game. Hein. Sur la miniature, je vois qu'il y a la maman. Aïe, aïe, aïe. La maman est le boss final du jeu, ça veut dire. Alors, il va à Vega City, donc où j'étais avant. Attends. Ah putain, et là, il affronte... Ah, on affronte la mer directe. Attends, mais il s'est envolé où? Il est allé où? Ah, il est à sa maison. Faut que j'aille à la maison, là, et je vais affronter... Maman! Ah putain, c'est con. Ah, c'est dommage, ça aurait été bien d'avoir la surprise. Genre, juste, je suis à la maison. Et là, paf. Paf. Bah, du coup, on ira après. Bah, à la limite, je vais m'arrêter après le combat contre la mer. Hein. On va finir sur ça. Tac. Je pense que je vais... Oh, est-ce que je continue le stream? Je sais pas. Je sais pas quoi faire, en fait. C'est le même souci que d'habitude. C'est que si je continue de streaming, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait, Fildrang, pour débloquer le combat?
Non. Il a dû faire un truc à la fin de son stream de la ligue. Ah merde. Ah ouais non, il est allé plus loin que moi. Je sais pas, j'essaie de voir l'endroit sur la vidéo où il va. Ah, j'ai l'impression qu'il faut aller en bas. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc la maman, en fait, c'est... Ça sera après. Ah oui, donc a priori, j'aurais besoin d'un bon gros stream hein, pour faire le post-game. Bon, allez, on va juste aller... devant, on va dire, l'activation de ce post-game. Et je m'arrêterai là pour ce stream de Pokémon. Excusez-moi. Alors je sais pas où il est parti exactement. J'ai vu qu'il est allé vers le bas de sa map. Donc j'imagine dès qu'on peut on va en bas. Hein. Je sais pas, si vous voulez faire des choses après, si vous avez des idées, je suis preneur. Ah j'imagine que c'est là. Yes. Je crois que c'est ici. J'ai un doute. Ah si c'est là. Si c'est là. Je crois que c'est Belladonis. Et ben voilà, bah du coup on continuera la semaine prochaine pour, je pense, le dernier stream de Pokémon Xenoverse. Et la semaine prochaine, je ferai le... J'essaierai de faire le post-game vraiment en entrée du... En entier, pardon. Du moins ce qui m'intéresse, c'est-à-dire cette quête post-game, le combat contre la maman. Et après... après on verra. Et ben voilà. Et ben écoutez, sur Twitch, je vais continuer un petit peu, il faut juste que je trouve quoi faire. Mais sur YouTube, écoutez, c'est la fin de ce stream. C'est la fin de cet avant-dernier épisode de Pokémon Xenoverse. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. Et écoutez, on se dit bien évidemment à la prochaine pour la suite de Pokémon Xenoverse. Allez, salut !